Hop là, bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Factor News. Salut, coucou. Bah, merci d'être de retour pour ce deuxième opus, cette deuxième tentative de faire du stream de jeu narratif. Je suis toujours accompagné de mes fidèles Ornella, salut Ornella. Bonjour. Et Charlotte. Salut, Charlotte. Moi je suis trop contente. Écoutez, ça m'a trop plu la première fois. Et vous m'envoyez enchanté. Donc voilà, cette fois-ci on va faire des jeux un peu plus visuels, parce que précédemment, pour ceux qui étaient là il y a 2-3 semaines, nous avions fait un stream avec... Oh, c'est pas la peine d'orienter le micro, je pense que... On peut laisser ces micros comme ça, vous en faites pas. D'accord. Voilà. Donc, il y a 2-3 semaines, nous avions fait un stream sur des jeux vraiment textuels, hein, c'était des jeux Twine, pour ceux qui connaissent, donc en HTML, avec vraiment que du texte qu'on lisait à haute voix. Là, on va faire un jeu plus visuel, vous en avez peut-être entendu parler, il s'appelle Milkmaid of the Milky Way. C'est un point and click, un jeu d'aventure dans la tradition des jeux LucasArts des années 90, un hommage, on peut dire, hein, des choses ainsi, développé par... comment il s'appelle ? Machine Boy, je crois. Oui, Machine Boy. Vous pouvez le retrouver sur Steam, vous pouvez le retrouver sur tout un tas de boutiques de jeux vidéo. Voilà, Machine Boy, c'est un Norvégien. Je crois que c'est une seule personne, hein, si je dis pas de sottises, qui donc a fait ce jeu-là, que vous allez découvrir en même temps que nous, hein, puisque nous n'y avons pas encore joué. Mais il a reçu plein de récompenses à plein de petits festivals, et ça mérite quand même qu'on y fasse un tour. Hein, donc il devrait pas être très très long. Voilà, j'espère que vous entendez tous convenablement. À présent, nous allons lancer, sans plus attendre, Milkmaid of the Milky Way. Et donc, comme la dernière fois, Ornella et Chat et moi-même, nous lirons les dialogues à haute voix. Et il faudra choisir vos personnages. Je crois que on va surtout entendre le personnage principal du jeu s'exprimer ici. Donc, il faudra éventuellement choisir qui sera le personnage principal du jeu. C'est toi, ma poule. Mais non. Ah, si, regarde. Regarde, c'est toi. Elle est blonde. Bah, et alors ah. Enfin, on dirait Heidi. Je suis pas Heidi, moi. Hein. Ça, alors. Donc, Milkmaid of the Milky Way, on a réglé les paramètres, ce sera en français donc, et on commence dès à présent. Voilà. Pardon, je suis retourné. Ah, ça m'angoisse déjà. Vas-y. Une jeune femme et ses vaches dans un fjord lointain, ouest de la Norvège, fin des années 20. C'est à Kalfledge que notre histoire commence, dans une petite ferme plantée sur une montagne immense. Je sais pas si je peux faire un petit dialogue. Ouh, mince, j'ai cliqué. C'est peut-être ce qu'il fallait faire. Super poétique, je trouve. Ah, ça, c'est, moi, je c'est très beau, ouais. Voilà, Mathis Folkestad, il s'appelle. Le monsieur qui s'appelle Machine Boy sur les réseaux sociaux. C'est quelle origine, ça ? Norvégien. Ah oui, il est norvégien, du coup, c'est ça. Encore une nuit difficile. Heureusement, l'orage est passé. Les champs sont encore humides, mais le soleil sera vite levé. C'est beau, c'est rime. Mmh. Oui. Allez, assez dormi pour le moment. J'entends venir de l'étable d'impatients meuglements. Ah, oh, c'est presque des alexandrins. Traire et préparer du fromage sont mes priorités. C'est aujourd'hui qu'Erland doit passer en chercher. Mon seau à lait et mes outils ont disparu. Quel mystère. Un voleur serait-il venu s'aventurer sur mes terres? Oh, c'est trop beau. Mmh. Et voilà. Alors là, on a le choix entre quoi et quoi. Là, je peux déplacer l'héroïne partout. Ouais, viens, on lui donne un nom, non ? Il faut 3 heures de marche pour aller au village. Je ferais mieux de rester et mener les vaches au pâturage. On va le connaître, son nom. Ça va être donné, je pense. Ok, donc je ne vais pas au village. Ça, c'est le chemin du village, manifestement. Donc, effectivement, nous allons nous occuper des vaches. J'ai pris du bois pour le feu, mais il est mouillé. La pluie de cette nuit n'a vraiment rien épargné. Hop, du coup, j'ai un peu de bois ici. Ok, le bois est mouillé, il faudrait vraiment le faire sécher. Donc où est-ce qu'on pourrait faire sécher ce... Eh ben, ça nous doit. Regardez ce que c'est que ce livre. Fromage, recette de mère. Versez le lait frais dans le séparateur. Séparez le lait écrémé et réservez la crème pour faire le beurre. Le plus important, c'est l'étape à venir. Ajoutez du sel, du vinaigre et faire bouillir. Ne pas le laisser figer et donc touiller.
Ok, donc ça, a priori, c'est un. Est-ce que c'est, un donc, livre avec, de est-ce que c'est donc avec cette recette qu'on fait sécher le bois? Voilà, je. Les meufs qui n'ont rien compris. Vous embêtez pas, on va pas tout lire. Oula, il y a beaucoup de textes. Père et mère se sont disputés. C'est peut-être son journal intime en fait. Là, attendez, je vous propose de. Oula, il y en a plein. Ah ouais. Waouh, on va pas tout lire maintenant. Hein. À l'école, ça a l'air chouette, mais je pense si vous voulez lire ça, on peut y revenir un peu de temps à autre. Ouais. Voilà. Alors. Qu'est-ce que... Ah, voilà. On va se déplacer ici, d'accord? Ouais, lançons. Ça va le volume de la télé? Oui, c'est parfait. Ah, Laurent Delahousse, comment ça va ma poule? Salut, Laurent Delahousse. Salut, Lolo. C'est le rire et remoulade, mais c'est absolument dégueulasse. Laurent Delahousse qui nous parle depuis sa zone interdite. Il fait coucou. Qu'est-ce qu'on se barre? Donc les vaches doivent être traites. Il n'y a qu'à les voir trembler. Elles trépignent impatiemment avec les pieds gonflés. Ah bah écoute, il faudrait traire la vache, mais on n'a pas le seau pour ça. Donc à tous les coups, il va falloir se procurer le matériel de où ce petit bien se trouver. Regardez. Il y a un petit fruit. Même en étirant mon corps de tous ses membres, jamais le fruit ne se laissera prendre. D'accord. C'était quoi samedi soir, c'est ça? Donc là, on... nous... Alors là, il nous faut une échelle, un seau, faire sécher le bois. Enfin bon, on est. Viens, on va au village plutôt, non? On peut pas aller boire du coup au village plutôt? À 3 heures de marche, le village, les enfants, non? Attendez, on va d'abord. Ouais, mais elle est sportive, regarde. Oh, elle peut retirer cet objet? Non. J'aimerais bien pouvoir l'arracher, mais ce clou est vraiment bien coincé. C'était encore. Ça, c'était moi hier ce week-end. Hop! Ah, voilà le seau! Je crois que c'était la dynamite. Comment le seau a-t-il atterri là? Le vent aurait-il joué avec lui jusqu'à cet endroit? On a un seau. Alors, on va traire les vaches. On peut traire les vaches, on peut continuer à se balader, c'est vous qui voyez. Ah, on se balade encore un peu. Bon, allez, on se balade encore un peu. Allons voir là-haut, ça a l'air chouette. J'aime bien pouvoir m'exprimer en rime comme dans le jeu, mais bon, c'est trop d'effort pour moi. C'est galère. Hein. Grave. Ouais. Il y a un mec qui s'appelle Mr. Fox, un youtubeur. Il a fait une série très intéressante sur les doublages des films, de la VF, etc. Il vient un petit peu sur les acteurs et tout. Et il a fait sa vidéo sur le Roméo et Juliette, donc le film avec Leonardo DiCaprio. Oui. Oui. Où il explique non seulement que le travail de traduction est quand même dingue, parce que traduire Shakespeare c'est pas facile, mais en plus, le travail de rime. Il fait toute sa vidéo en rime, comme dans le film. Oh, c'est incroyable, c'est vraiment un exploit. Je vous la recommande, Mr. Fox, c'est très très fort. Mr. Fox. Et en plus, voilà, pour ceux qui nous écoutent, vous connaissez peut-être déjà Mr. Fox, c'est vraiment. Du rocher, un petit éclat, je peux le prendre, sa petite taille me va. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc derrière nous? Je goûte, c'est du sel, aucun doute. Du sel, ça peut être bien. Donc, pour faire de la cuisine, ça. Ouais. Et si on clique sur cette espèce de truc qui est tombé du ciel? Ah oui, c'est vrai que je l'ai pas fait. Qu'est-ce que... C'est chelou quand même, hein? Ouais. Le bloc serait-il tombé de la montagne là-haut? Il fait 1 mètre de large et 2 mètres de haut. C'est vrai qu'il... C'est étrange, on dirait un énorme bloc de sel. Je n'ai jamais rien vu de tel. Je suis pas sûr que la métrique soit parfaitement respectée, mais... En tout cas, l'effort y est. Oui. Ou alors, elle est... Attends, c'est des Norvégiens, elle est peut-être très grande. On salue complètement... Ah bah voilà. Laurent Delahousse nous dit le sel, ça va dans le chèvre, le fromage de chèvre. Ouais. Ben oui. J'adore le fromage de chèvre. On continue à se balader sur cette plaine, ce fjord. C'est une sorte de fjord, non, c'est j'imagine. Beau, hein. Oui. Moi, j'adore les petits nuages là en fond, tu vois. C'est un norvégien, ils sont très bien faits. Esthétiquement, on est sur quelque chose de très beau. Ah oui. Ce piquet en métal servait il y a longtemps pour amarrer un bateau qui a coulé suite à un orage violent. D'accord, ok. Il y a un truc là-haut. Ouais. Ah, il court, hein! Elle y court! Waouh! Putain, elle est hyper athlétique, la meuf! Ah, mais c'est pas toi qui l'a. Je clique où elle veut aller. Ah, ouais. Je veux qu'elle aille. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a un trésor là dans le rocher, là. Ou un bouquet de fleurs. Donc, vous avez compris le principe, il faut cliquer sur tout ce qu'il y a à solide. Ouais. Voilà, ce genre je de jeu là. On ramasse quelques pierres, un peu comme des briques, presque rectangulaires. Les fleurs que j'avais déposées sont bien sèches désormais, abandonnées face au vent qui souffle sur les sommets. Donc c'est peut-être une tombe ou. Une bourrasque soudaine et sévère emporte les fleurs séchées transformées en poussière. Ah bah vous voyez, c'est en lisant le journal, peut-être qu'elle explique qui est inhumé. Ouais. On lira peut-être le journal après, je pense. Pour ceux qui. Ah, les chèvres aiment bien lécher les blocs de sel. Ah bah je suis trop con, ouais. Je savais pas, merci Laurent Delahousse. Ça veut dire qu'il faut amener le bloc de sel jusque. Ou alors emmener. Une chèvre Emmener les chèvres au bloc de sel, peut-être, parce que le bloc de sel. Ah oui, c'est peut-être plus pratique, ça va être lourd quand même. Moi je réfléchis en flemme. Alors, pour nos spectateurs, encore une fois, pardon. La hauteur et le vide réveillent une peur irrépressible qui est loin de rendre mes nuits paisibles. Oh. Ah, elle a le vertige. Ouais.
Et donc je disais, pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à nous suggérer des actions, si vous préférez qu'on lise un des pages journal de l'héroïne, n'hésitez pas à demander. Voilà, on est là pour ça. Vous n'êtes pas encore très très nombreux, mais je gâche que cela va changer au fil de la soirée. Donc là, on retourne à la ferme. Oui, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ouais. La place, on est allé là-haut ? Non. C'est là qu'on a trouvé le bloc, je crois. Oui, c'est là qu'on a trouvé le bloc de sel. Ah bon ? Ouais. D'accord. Ah oui, d'accord, l'autre côté, c'était là où il y avait la tombe. Voilà, bon, ça va, elles se déplacent rapidement. Souvent dans ce genre de jeu, le souci c'est quand les personnages sont très lents. Donc là, c'est chiant. L'esthétique est totalement. Ça me rappelle vraiment la fois où quand tu jouais à Pokémon, t'avais la bicyclette et tout à coup ta vie devenait tellement merveilleuse. Ah oui. D'ailleurs, le nouveau Pokémon qui va bientôt sortir, vous avez vu en fin d'année. Pokémon épée et Pokémon bouclier, il s'appelle. Ouais, je sais, c'est dingue. Bon, on a toujours le bois à faire sécher, hein, je vous rappelle. Hein. Ben attendez, mais là, on va ah, mais on a peut-être un traire sort, les vaches, on peut traire les trucs là. Oui, voilà, traillons les trucs. Like est patiente et incroyablement futée. À mes côtés depuis toujours, je l'ai connue bébé. Oh, c'est trop mignon. Chouquette. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On clique. La vache lance un meuh, bien impatient. Il me faut quelque chose pour mettre le lait dedans. Bah, on a un seau. Mais on a un super alors, voilà. Mais hé hey. Alors comment ça marche? Faut fixer le seau. Un seau en bois pour porter du lait ou je ne sais quoi. Alors, il faut maintenir le clic sur le seau. Et je pense qu'elle va se mettre au travail. Allez les filles, la traite va commencer. Pour le beurre et le fromage, il me faut votre lait. Mais on n'a pas pris le sel. Oh, regarde, ils ont levé la tête. Si, on a quand même pris un petit bloc. C'est vraiment adorable. Hein. Ouais. Ouais, c'est mignon. En tout, grandir avec les vaches, tu sais comment elles s'appellent et tout, c'était copine. Après la traite, comme toujours, j'amène les vaches faire un tour. Ah, oh, elle est sympa. Bah, on est là. Ah, pardon. Jusqu'au soir, les vaches font ce qu'elles veulent, mais le fromage et le beurre ne vont pas se faire tout seuls. Ah, bah écoute, on a du lait maintenant. Alors, donc maintenant on a du lait, on a du sel. Avec l'herbe de la montagne, mes vaches se régalent. Pour elles, c'est un repas 3 étoiles, mais dis donc. Alors, bah, relise alors, la recette. Peut-être qu'il faudrait, ouais, voilà, qu'on lise la recette. Fromage, recette de mère. Versez le lait frais dans le séparateur. Donc, oui. On n'a pas de séparateur. Mais peut-être dans la maison. Séparer le lait écrémé et réserver la crème pour faire le beurre. Le plus important, c'est l'étape à venir. Ajouter du sel, du vinaigre et faire bouillir. Ne pas le laisser figer et donc touiller. En fait, il nous manque un séparateur, du vinaigre et le sel, on l'a, c'est bon. Alors, le séparateur est peut-être chez moi. Le vinaigre, j'espère qu'il y a une bouteille qui doit rester. On va aller voir. Je vois pas le vinaigre tomber du ciel. Hein. Non, pas vraiment. Hop. Après, ouais, il faudra sans doute qu'on lise un petit peu plus ce journal, là. Oui, je pense qu'il y a des infos, beurre, en fait. Il y avait la recette du beurre qu'il faudra qu'on consulte. Non, c'est... Mais... Oui, exact aussi. Mais avant, essayons de retourner à la maison, voir si on a tout ce qu'il faut. Alors... Ici, à la ferme, pas besoin d'être coquette. Mieux vaut un pantalon qu'une robe désuète. Pour filer la laine, ce rouet était indispensable. Mais voilà longtemps qu'il n'y a plus de mouton en l'étable. Et ouais, la ferme a commis des jours meilleurs. Hein. Comme toutes les fermes, hélas. Ah, il faut tourner le séparateur sans compter sa peine. Ainsi se partageront le lait et la crème. Ça, c'est un séparateur, ça. Mon bricolage est bien malin, car sans erreur, la crème coulera, prête à être battue pour devenir du beurre. Ok, donc en fait, là, on a déjà tout ce qu'il faut. Il faut juste qu'on check si on a du vinaigre. C'est ça. Quelques vandales seraient venus pour me piller. La manivelle du séparateur s'est volatilisée. Que puis-je faire? Je suis perdue. Sans manivelle, pas de beurre, c'est fichu. Bon, problème. Est-ce qu'on peut essayer de poser quelques cuillères? Prenons cette cuillère déjà, bientôt elle servira. Non, je suis con, la cuillère elle va touiller. Pour faire un bon fromage, il n'y a pas de secret. Il faut une bonne marmite comme celle que j'ai. Ben ouais, carrément. Alors du coup, la marmite, nous l'avons. Il nous manque le vinaigre. Et ouais, mais du coup, là, il nous manque aussi la manivelle. Oui, et les bouquins, là, on peut cliquer dessus ou pas? Alors j'ai pas cliqué sur le portrait au tableau, au mur. Ouais. Ça, c'est à mon avis, c'est dans le journal. Ah. Ouais, je vous laisse le lire. Le portrait de mes parents, leur regard pesant. Partout où je vais, elle me suit, je le sens. Les livres sont vraiment ma passion la plus grande. Chaque année, j'en ai de nouveaux grâce à Erland. C'est qui Erland? Erland, c'est le nom de la ville. Ah. Non, c'est client. C'est comment? C'est client, Erland. Erland, je sais pas comment ça se prononce. C'est son client? Mais, tu me disais que le fromage, exactement. Je croyais que c'était le nom de là où elle était. Ah non, c'est le garçon du village. Ah, mais oui, celui qui doit passer. Oh, ouais. À droite, à gauche, j'ai beau regarder, mes outils sont introuvables, envolés. Oh, elle me fait de la peine, hein. Ah, petit chat, bon. Il faut qu'on lui file un coup de pouce. Bah ouais, et dans l'étable, y'a pas d'outils dans l'étable? Oh, mais même les vaches, elles se sont tirées. Ah bah non, elles sont. Ouais.
Attends, je vais t'aider. En croûte. Tu connais une assistante sociale? Est-ce qu'on a le temps d'aller au village cette fois-ci? Bah c'est 3 heures de route quand même, hein. Est-ce que le lait il va pas tourner? On n'a pas un cheval. Il faut 3 heures de marche pour aller au village. Je ferais mieux de rester et mener les vaches au pâturage. Bah, elles sont déjà en pâturage, et les vaches. Bah alors peut-être qu'au pâturage, on a quelque chose à trouver. Est-ce qu'on peut grimper sur le toit, vous pensez? Oui, on peut. Ah bah oui. Meilleure maison. Je veux la même. Je veux ça comme maison, c'est fantastique. Des pierres en vrac, la cheminée n'a pas résisté. Satané orage, marmonnais-je dépité. Et on peut pas essayer de dégager les pierres. Hein. Ah bah non, là. Non, on a rien qui... Peut-être que... Un peu comme des briques, ces quelques pierres ont une forme presque rectangulaire. Du coup, t'as l'impression que tout est un message. Les pierres que j'ai ramassées font pile la bonne taille. Je peux réparer la cheminée grâce à cette trouvaille. Bien vu. Vous voyez, c'est ça, les Ce n'est pas parfait, certes, mais la cheminée fonctionne, je suis satisfaite. Bon, le bois trempé, le sel, machin... Et on peut pas mettre, genre, le bois à sécher sur le toit ou... Ah, mais on peut allumer la cheminée, par exemple. Non, il faut que le bois... Non, je suis débile. Bah non, il faut que le bois il sèche, du coup. Ouais, mais juste... C'est trop beau, là, hein. Ah oui. Alors, le clou, on peut pas le retirer, peut-être. On n'a pas ce qu'il faut. Le clou, ça pourrait peut-être faire manuel. Ah. On va revoir, voir ce qu'elle nous dit. C'est peut-être qu'elle a un indice, je vais... Eh non, le clou est vraiment bien coincé. Non, c'est pas possible. Je vous propose qu'on jette un œil au journal, peut-être qu'il y a des indices dedans. Ouais, allez. Ouais. Donc, ça, c'est la recette du lait. Alors, ça, c'est la recette du beurre. La recette du beurre, ouais. Bien vite fait. Alors, beurre, la baratte doit être pleine à ras-bord. Battre la crème bien fort, il faut la faire épaissir, elle doit être un peu collante et durcir. Garder le beurre bien au frais, c'est important. S'il fond, ça deviendra une flaque de gras dégoûtant. Aujourd'hui, j'ai réparé le séparateur et amélioré l'accélérateur. Quand je sépare la crème du lait, ça coule directement après. Je gagne ainsi du temps et je peux faire autre chose en attendant. Donc, elle a réparé le séparateur, mais on sait toujours pas comment. Mais c'est bien, on peut lancer la production de lait du coup. Pensez à graisser la porte. Des vieux gonds de la sorte doivent être huilés souvent. Elle va rester bloquée autrement. Il faudrait de l'huile pour ça. À l'école aujourd'hui, un garçon a rapporté un vélo. Il a rigolé et dit... Tu vas tomber et te faire bobo, c'était dur, mais j'ai réussi à pédaler peu à peu. C'était si agréable de sentir le vent dans mes cheveux. Donc là, peut-être qu'on a un vélo pour aller au village. Il se passe des choses. Alors, dernier jour d'école, ça ne va pas fort. Je dois quitter la ville, rentrer à la ferme. On me demande en renfort. Edvard Zen, mon professeur, est triste de me voir partir. Tu as un truc pour les sciences. Tu as de l'avenir. Eh oui, mais là, tu partir fier à la ferme. Travailler à la ferme est difficile, surtout faire le fromage. Il faut que je note les recettes de mère. Père est avec les vaches gestantes au pâturage. Il prend soin du troupeau, il en est fier. Mère, elle, s'occupe surtout de la maison. J'ai hâte de voir les petits veaux qui bientôt naîtront. Je te dis, ça Heidi, quoi. Ouais, c'est un peu Heidi, quand même. On va tout lire, je pense. Ah ouais? Ouais. Ah, une des vaches est morte pendant le velage. J'ai appelé son veau Luc en hommage. Je lui ai dit... Je crois que c'est Licky parce que la chanteuse Licky Lee. Licky, d'accord. Donc j'ai appelé son veau Licky en hommage. Je lui ai dit, je prendrai soin de toi. Elle est si gentille au biberon, elle boit. J'aime ses vaches noires, c'est joli. Ses taches noires, c'est joli. Et elle a un sacré appétit. Oh là là. C'est écrit tout petit aussi. Bah, c'est la vache qu'on a vue tout à l'heure à l'étable. Encore ? Ouais, vas-y, là. Et... Père et mère se sont disputés, il est en colère et elle est fatiguée. Elle nous a parlé d'une lueur bizarre qu'elle a vue dans la montagne un soir. Ces derniers temps, j'ai remarqué qu'elle s'est beaucoup renfermée. Oh, pardon. Alors, Licky grandit vite, elle mange de l'herbe maintenant, l'école me manque, le travail est difficile, père et mère ne parlent plus beaucoup ces derniers temps, je m'occupe de mes vaches, de mes tâches et me tiens tranquille. Je fais des expériences dans mon coin. J'ai fait de la limonade avec les fruits de l'arbre du jardin. Edvard Zen m'a appris les acides et les bases. Ma boisson était si aigre, ce n'était pas vraiment l'extase. Partie en montagne, mère n'est jamais rentrée. Père reste là, impuissant comme pétrifié. J'ai peur de ne plus jamais la revoir. Je pleure sans cesse du matin jusqu'au soir. C'est horrible. Mais arrête, on arrête de lire le journal. On va jusqu'au bout maintenant, on peut pas s'arrêter. Des hommes du village se sont rassemblés et des recherches ont été menées. Même le prêtre fait le chemin, mais tout cela n'a servi à rien. Ils ont trouvé son foulard vers la falaise. Quand je l'ai su, j'ai eu un malaise. Mère n'aurait jamais fait ça. Père est seul désormais avec moi. Tiens-toi droite, finis ton assiette. Père parle à peine, il n'a plus la même tête. Le chagrin a tué une partie de lui, il trouve à peine la force de sortir du lit. On a construit un
cairn, une statue de pierre, un petit monument en souvenir de mère. On rit et on pleure, doucement, la vie réapparaît. Il n'y a plus que nous deux dans le fjord désormais. Oh. Père me dit que je dois être forte, il a besoin de mon aide à la ferme. Le travail que chaque nouveau jour m'apporte m'occupe jusqu'à ce que, de fatigue, mes yeux se ferment. L'année qui vient de s'écouler fut bien tranquille. Personne n'est venu, surtout pas de la ville. Une idée coupable ne cesse de grandir. Serait-ce un crime d'imaginer partir ? J'ai des frissons. Depuis plus d'un mois, père est souffrant. Sa santé a lentement décliné, sa voix est faible, ses yeux larmoyants. La ferme, je suis seule à la gérer. Père va un peu mieux, mais pas totalement. Il dit qu'il n'est plus bon à rien. Erden m'aide à vendre nos produits, heureusement. Grâce à lui, je subviens à nos besoins. Chaque semaine, quand il vient là-haut, il me parle de tout ce qu'il pourrait faire. Travailler au dock, construire des bateaux. Et il voudrait changer de... Ah, il y a un mot à dû sauter, je pense. Ah, ouais. Ouais, bon, on sait pas, il veut changer de quelque chose. La semaine dernière, j'ai fait venir le docteur. Le trajet pour venir lui a pris plusieurs heures. Père était malade, amorphe et livide. Je pouvais déjà ressentir un grand vide. Aujourd'hui, cela fait déjà un an que père a quitté cette terre. Le temps a passé vite, bizarrement. À la ferme, il y a toujours quelque chose à faire. Erlen m'a apporté un livre de science-fiction parlant de voyage sur la Lune grâce à un canon. J'aime lire pour m'évader de mon quotidien austère et vivre des aventures extraordinaires. L'été s'achève, l'atmosphère a changé. Solitude et agitation, résignation et envie, c'est ma vie désormais, je dois rester. Même si parfois je m'imagine bien loin d'ici. Et fromage. On en revient à la recette. Oh, voilà. Bah oh là là, la pauvre, c'est pas folichon. C'est un peu raide quand même ton histoire. Ça, c'est une vie à la ferme. Hein. Bon bah alors, est-ce qu'on devrait pas aller au pâturage pour checker là où il y a les vaches? Ouais, moi je remonterais même à la tombe de la mère, la petite statuette là, c'est sa mère qui enterrait là en fait. Il faut tout fouiller là. Bah là de toute façon, il faut qu'on fouille tout. Ah ouais. Oh, c'est triste. Mais alors la mère du coup c'est quoi? Elle est tombée de la falaise. Ils disent qu'il y a eu qu'elle a vu un éclat dans le ciel. Est-ce que c'était pas déjà un truc comme ça qui était tombé? On l'a déjà dit ça. Oh là là. Moi je remonterai à la en haut de la montagne là. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est trop, vous rendez compte que ça s'est étalé sur 2 ans les événements que l'on vient de lire. Ça fait bien deux ans qu'elle est revue travailler à la ferme. Au moins. Et cette espèce de piquet, là, il peut pas nous servir à quelque chose. On va le rouvrir. Il y a longtemps pour amarrer un bateau qui a coulé suite à un orage violent. Est-ce qu'il peut pas nous servir, par exemple, à faire tomber l'espèce de citron qu'on a vu dans... Mais on peut pas le manipuler, je crois pas, en tout cas. J'ai beaucoup cliqué dessus, elle a pas l'air de vouloir l'arracher du sol. Et quand elle était au bord de la falaise, là, il s'est passé un truc ou pas tout à l'heure? Hormis qu'elle avait peur. Voilà, elle a le vertige. Mais c'est voilà, ça lui fait peur. Ouais. Voilà, elle a même pas trop revenir ici, c'est bien normal. Donc du coup... Non, ça va jouer là-haut, hein, en haut de là. Est-ce qu'on peut passer là, derrière, là? Non? Non? Bah ouais, faut aller là. Ouais. Oui, je suis bête, j'ai mal vu. Mais... Alors, est-ce que là-haut, il y a autre chose qu'on peut... Vous avez cliqué partout, là, après, la première fois, oui. On peut pas descendre de l'autre côté. Père et moi, avions bâti, pardon. Vas-y, je t'en prie. Père et mère avions bâti ça pour mère. L'année suivante, c'est pour lui que j'empilais ces pierres. Et ouais. Parce que j'étais dedans. C'est pas faux. Bah, c'est quand même. C'est le début de l'histoire, hein. Non, mais du coup, t'as trop envie de savoir ce qui est arrivé à la mère, tu vois. Ah ouais, ouais. Est-ce que c'est le père qui l'a buté? Est-ce que c'est elle qui s'est jetée parce qu'elle en pouvait plus d'être là, tu vois? Ouais, puis surtout, t'as beaucoup d'espoir pour elle, quoi. Tu as envie que. Ouais, puis cette espèce de bloc de sel, là, bizarre. Voilà. Ouais. Il y a quand même un truc mystique là-dedans. Avec le truc du sel, ouais, c'est bizarre. C'est. Alors, pour ceux qui ont connu les vieux LucasArts de l'époque, vous constatez l'ambiance, c'est quand même plus. C'est un tout autre monde là-haut, disait mère. Pour nourrir les vaches, on doit passer ces pierres. Oui, c'est là la porte en fait. J'ai cliqué sur la porte et elle a commenté de quoi il s'agissait. Ok. Voilà, autant la direction artistique donc évoque la direction artistique évoque un petit peu justement les vieux LucasArts, autant en termes d'ambiance sur quelque chose de moins rigolo quoi. Parce que les LucasArts c'est quand même des jeux qui étaient assez déconnes pour la plupart d'entre eux. Pas tous, mais beaucoup. Le clou est coincé, hein, clairement. Le clou, hein. Essaye de mettre au fond du fjord entre les deux rochers là, si c'est pas. Ah bah non, entre les deux maisons. Non, mais non. Ça, je pense pas qu'on puisse piloter. On va essayer, mais ça m'étonnerait. Ah non, tu peux pas aller si loin. Hein. Non. Et là, derrière l'étable, y a pas un chemin? Non, mais vous en faites pas. Moi, je pense. On va essayer de vous filer derrière, mais à mon avis, comme on a exploré tout ce qui. Ouais. La nuit, les vaches dorment à l'abri. Du foin en guise d'oreiller, comme dans un vrai lit.
Impeccable. Superbe. Où est-ce qu'on fait sécher notre bois? Ça, c'est encore un truc... Là, je pense que le journal avait l'air de suggérer qu'on pouvait commencer la fabrication de fromage sans perdre... Voilà. On va essayer. Bon. Attends, la manivelle. Ah non, il faut la manivelle. Et la robe, là, qui est... Non, elle l'a dit, justement. Pas besoin de coquette, mais pas besoin de robe des huettes. Okay. Et le lit, on n'a pas cliqué sur le lit? Non, c'est là où je dors. C'est là où je dors enfin. Enfin, pas tellement ces temps-ci. D'étranges bruits me réveillent en plein cœur de la nuit. J'y entre. Pas de manivelle, mais c'est oui. Et là, il y a une espèce de... Pente. Elle n'y va pas. Je vais essayer, mais je pense qu'elle n'y va pas. L'écriture qu'il y a sur le... Non. La ferme est perchée sur une montagne sans âge, coincée quelque part entre la terre et les nuages. Non, mais mon avis, on va quand même essayer. Je pense que dans ce genre de jeu-là, il faut pas hésiter à faire ça, voyez. Hop. Ah non, elle veut pas. Elle veut pas. Non. La crème battue dans la baratte se changera enfin en beurre épais et onctueux, prêt pour un bout de pain. Un beurre fermier là. Ah ouais, grand. Du sel. Divin. Non, même sel tout court. Pourquoi elle nous dit pas comment elle a réparé le séparateur? Cette mauvaise. Tu vois dans le journal. Ah, alors oui, Laurent de la Housse suggère sous le lit. C'est vrai que je me suis demandé si c'était pas. Ah, bien vu, Laurent. Merci. Ça, et j'ai que les mots cliqués, ça ne fait rien. Et sous la carpette, non? Non. Attends, et la marmite, on avait cliqué dessus aussi. Oui, elle est contente d'avoir une marmite, mais voilà. Ouais. Ah, pour faire un bon feu, il faut du bois, c'est mieux. Mais bien sûr, si je clique sur le bois, elle me dira qu'il sera trop trempé. Le bois est trempé, en soi ce n'est pas un drame, mais il faut qu'il soit sec si je veux qu'il s'enflamme. Donc, c'était aussi moi ce week-end, mais ouais, est-ce qu'on peut pas essayer de le poser devant les tables, ou de le mettre sur le toit, ou... Ça va bien déjà comme ça, j'ai déjà assez de bois, ouais... On est bloqué au début du jeu, c'est terrible. Ah ouais, c'est frustrant, hein. Oh là là. Regardez, les outils se sont... Et on n'a pas checké les vaches dans le pâturage. Ah oui, c'est vrai. Non, on doit peut-être aller leur dire bonjour, peut-être qu'elles acceptent quelque chose. Ben ouais. Peut-être qu'elles vont nous révéler un truc incroyable. Peut-être qu'il y en a une qui a volé le vélo. Écoute, il y a bien un bloc de sel qui est tombé du ciel. Bon, on peut espérer que... Et si on essaye de sortir la cuillère de la petite barre, là, et de casser le bloc de sel avec? C'est-à-dire que du coup, ça, dans 4 heures, on n'aura pas fini. Ah, parce que... Est-ce que là, en effet, par contre, il y a des objets qu'on peut essayer d'assembler? Ouais, c'est ce que je pense aussi. Je suis en train de me demander si je peux pas combiner la cuillère pour fabriquer une sorte de manivelle de fortune. Bah ouais. Tu mets la cuillère dans le séparateur. C'est bizarre, parce que les cuillères, j'en ai besoin après, non? Tu vois? Non, mais... Le petit carré blanc, là, le premier, c'est quoi? C'est le but du général, je pense. Ah ouais. Ok. J'ai bien posé la question, écoute, hein. La ferme est la seule maison dans les parages et il faut 3 heures pour atteindre le premier village. Ouais, j'ai cliqué un petit peu. Ouais. C'est toujours pas rapproché. Voilà où le fjord conduit. Père disait toujours mieux vaut rester ici. Putain, père, il avait pas l'air cool. Et le petit citron, là, on peut pas se servir de la louche pour le faire tomber? Peut-être, mais à quoi nous servirait-il? Bah, à faire de la limonade, a priori. T'as son priorité, meuf. Alors la cuillère. Ah ouais, la cuillère dans le séparateur. Une longue cuillère en bois, toujours utile, ma foi. Putain, mais elle veut pas, hein. Le séparateur ne sert que pour le lait ou les autres choses qui lui ont trait. Ouais, oui, les choses qui ont trait au lait, quoi. Ouais. C'est... Attends, on va retenter parce que peut-être que j'ai mal cliqué, mais non. Non, il faut vraiment qu'on trouve cette manivelle ou alors qu'on la... Et on peut pas choper un truc sur la machine à coudre? Ah oui. Eh oui. L'espèce de petite manivelle là qu'il y a sur la gauche. On peut pas la prendre. On peut pas y aller, hein. Je me sens un peu perplexe. Pour faire sur le terrain. J'ai que le coup avec la cuillère. Ok, on commence à entrer dans le territoire du tordu, mais pourquoi pas Laurent de la Housse. T'as une idée? Ouais, je sais pas trop. Ah, essayer d'aller récupérer le coup avec la cuillère. Bah oui, pourquoi pas. C'est bizarre, mais du coup, c'est un jour de... De toute façon, on peut la tenter. Hein.
Enfin, j'avais aussi à récupérer ce fichu clou. Quelle prouesse incroyable. La foule est à genoux. Le mec s'est arraché, là. Il a dit, allez, c'est bon, on y va. Quand on continue de l'ordre de la housse, nous pouvons continuer le jeu. Maintenant, avec ce clou, on fait sécher le bois. Hein? On fait du lait. Quoi? On le met dans le séparateur. Voilà. Soudain, j'ai une petite idée comme une étincelle. Le clou pourrait peut-être servir de manivelle. Putain, merci Laurent, quoi. Ouais, alors maintenant, on peut pécho le lait. Hop, vous êtes prêtes? Ouais. Ouais. On a toujours pas de vinaigre, hein. Ce n'est pas le moment de l'embiner, le lait est prêt à être séparé. C'est fou ce truc, hein. Le barat est plein à ras, le lait est crémé, lisse comme de la soie. Avant de déguster le beurre tant attendu, il va dans la barat, il doit être battu. Avec ok, quoi? Donc la barat elle est derrière nous. Il doit être battu? Ouais. Ben, avec ce truc là. Parfait, faut pas mettre du sel pour faire du beurre demi-sel. Le beurre est enfin terminé, Erland n'a plus qu'à venir le chercher. Il faudrait s'occuper du fromage maintenant, mais il me manque des ingrédients. Et ouais, on n'a pas de vinaigre. Et ouais. Alors. Non, on peut pas être sûr, hein. Le vinaigre, bouillir, pour faire bouillir, il faut que le bois soit sec aussi. Ouais. Ah. Donc là, il nous faut d'abord le bois. Il faut mettre le beurre au frais, hein. Ah oui. Ben là, on l'a sur nous, le beurre. Ah, où est-ce qu'on pourrait le mettre au frais? Une jolie brique de beurre préparée avec cœur. Où est-ce qu'on pourrait le mettre au frais? Bah, je sais pas, en haut de la montagne. Je sais pas du tout. À côté de la tombe de sa mère. À côté de la tombe de sa mère. Non, mais attendez, il disait autre chose avec le beurre à la fin dans le journal aussi. J'ai envie de cliquer sur ce citron. Ah bah, cliquons sur le citron. Mais d'abord, oui, on peut revoir la recette pour être sûr. Ah oui, j'ai mis des pieds fondants dans notre cadre. Non, c'est ça. Ouais. Garder le beurre bien au frais, c'est important. S'il fond, ça deviendra une flaque de gras dégoûtant. Mais il disait autre chose aussi. Non, c'est autre chose. D'après, on passe au journal proprement dit. Ah ouais. Bon, bah alors. Alors, tu veux re-rentrer dans la... Non, je pense qu'on va s'occuper déjà de ça, parce que je suis quasiment certain que... Hop. Voilà. En fait, c'est son bâton de berger, quoi, la couleur en bois, tu vois. Quoi. Sa peau bien jaune et la fraîcheur de son parfum donnent à ce frais un attrait certain. On a un citron. Je réalise que dans ce jeu-là, il n'y a pas beaucoup de dialogue, en fait. Bah, en fait, elle est seule, la petite. Moi, c'est pas grave. Et là, si on essaye, ce citron est si aigre, immangeable, je n'en voudrais pas sur ma table. Vinaigre. Mieux vinaigre. Ah, bien vu. Ça, c'est le réflexe de cuisinier. Putain, et ouais. Il faut tourner le séparateur sans compter sa peine. On l'a déjà fait. Ah, il faut poser ça avec ça. Attendez, il faut mettre ça là-dedans. Je prépare où le beurre? Faut te mettre dans la marmite, non? Mais c'est dans la marmite. Oui. Et oui, mais on n'a pas. Rien. Donc le lait. Et ouais, mais le lait crémé est versé. Il faut relire la recette. Chauffer. C'est pas ce qu'elle vient de dire? C'est pareil, non, d'abord faut mettre le sel et le vinaigre. Hop. Je presse le citron du jardin cueilli bien mûr, il donnera au fromage fermeté et texture. Savoureux, on va faire un petit fromage les amis. Vrai qu'en plus quand tu il faut du sel, pensais-je après avoir goûté. Je vais en rajouter une bonne pincée. C'est vrai que quand tu achètes des petites machines pour faire du fromage de chèvre chez toi, tu dois mettre juste citron dedans. Ah ouais, ouais. Jamais fait de. Moi non plus, mais j'aimerais beaucoup. Jamais fait de fromage. Alors maintenant qu'on a ça, est-ce qu'on se sert de notre cuillère pour touiller? Non, il faut d'abord trouver comment se faire sécher. Eh ouais. Mais on peut pas juste le foutre au soleil, le bois là? Eh ouais, non, est-ce qu'on peut pas juste le déposer devant la maison? Bah, on dirait pas, hein. Non, on l'aurait fait sinon, enfin je veux dire, le bois il est techniquement. Laurent, comment on fait sécher le bois? Dans l'eau. Il y a marqué dans l'eau. Ah, mais non, j'allais dire on allume la cheminée, je suis con. Oui, oh. Alors. Je vais quand même essayer pour rigoler. Okay. Ah, ça ne me servira pas, j'ai besoin de pierre, pas de bois. Mais ça va, on l'a déjà. Et dans l'étable, qu'est-ce qu'on a? Et si on prend le foin pour faire le feu, non?
Ça va pas durer bien longtemps. Ça fait cailler le lait, merci Laurent Delahousse. Quoi donc ? J'y connais aussi bien en préparation de fromage qu'en délogage de clous. C'est beau. Non, hein. Non, faudra un spot, quelque chose, je sais pas, un endroit chaud par nature. On va sortir d'ici déjà. Faire pousser des fruits, c'était la tâche de mer. Normalement, ils ne poussent pas sur ces terres. D'accord. Bon, où est-ce qu'on peut faire ? Comment on fait sécher du bois ? Comment on peut... Franchement, on le fout au soleil, c'est et basta, ça, quoi. Au soleil. Attends. Je vais penser à un truc. Le seau, on peut le reprendre ou pas ? Bah, a priori. Bah, je sais pas. Non, il est plus là, le seau. Non, mais on l'avait trouvé... Tu sais, on l'avait trouvé dans le verger. Enfin, je veux dire, dans le pâturage. Ah. Bon, le beurre est toujours frais. Allons-y, hein. C'est quoi ? On l'a mis où, le beurre, d'ailleurs ? Bah, il est sur nous. Enfin, on... Ah, voilà, on l'a nous, sur quoi. Nous, d'accord. Okay, on se promène avec une... Laurent Delahousse fait une remarque très pertinente. Peut-être que le bloc de sel a des propriétés magiques qui pourraient faire sécher le bois. Ah. Ça vaut le coup d'essayer. Hein. Peut-être. Ouais, franchement, qu'est-ce qu'on perd ? Mais là, du coup... Ah, d'accord, donc on emmène notre bois là-haut. Il faut... Non, ouais. C'est ça, tu retrouves le bloc de sel et après tu... Et là... Et non. Tu n'as pas de propriété, non. Et celle avec le beurre, même, enfin, je sais pas, hein. On va essayer. Tu veux vraiment qu'on combine le bois directement sur le bloc Bah, on peut essayer. Oh, moi, ça soulève une vague. Ah ouais, c'est une déprime. Ah ? Et non. C'était prévisible, le rocher reste impassible. Okay. Il veut même pas de beurre barbare. Et ça, la cuillère en bois ? Non, mais attends. Faut tout essayer, hein, de toute façon. Vous êtes en train de faire exactement ce que moi je faisais quand je jouais à ce genre de jeu-là il y a une dizaine d'années. Et je testais tous les objets sur tous les objets. Ouais. Je pense que tous les gens faisaient ça à l'époque avec les jeux d'aventure LucasArts, les boîtes à clics des années 90. Parfois, on oublie la logique et on se contente juste de tester plein de choses. Et si on essayait de mettre du beurre sur la vache ? Et si on ramassait de l'herbe ou je sais pas, et si on essayait de foutre notre bois là ? Non, mais peut-être qu'il y a un truc, c'est con à dire, mais peut-être que c'est un spot ensoleillé au-dessus de la montagne, c'est con, mais. Bon, ça. Il y a pas un truc avec ça là, ce piqué ? L'eau est glaciale. Je ne devais pas jeter ça dans le lac. Ça paraissait évident aussi. Faut essayer de mettre le bois partout du coup. Bah, je sais pas, donc quand même, il y aura un spot comme ça normalement. Alors là, si on essaye de. Ah bah là, regardez, il y a plein de. Ça a l'air d'être vanté. Ouais. Je me recueille à ce cairn souvent pour pleurer. Aujourd'hui, c'est pour poser du bois et le faire sécher. Ah ouais. D'accord. Bien parce vu. Que là, c'est en prise au vent. C'est venteux. Le vent fera son œuvre, il lui faut un peu de temps. Mais mieux vaut partir pour le moment. Ok. Peut-être que là on va trouver le truc pour. Enlève-moi ça. C'est fini, oui. Le bois a bien séché, parfait pour aller dans la cheminée. Ah bah voilà. Allez, on a perdu trop de temps. Génial. On masse la vache avec du beurre, elle va chier un frigo. Mais Laurent Delahousse, il pourrait vraiment faire plein de jeux d'aventure avec nous, je pense. Hein, parce que, ça me fait beaucoup rire. Mais je sais que c'est pas impossible, hein. Y a des jeux qui font des trucs bizarres comme ça. J'y ai joué. Ceux qui connaissent parmi nos spectateurs les jeux vidéo savent de quoi je parle. Je dirais pas prendre un cake, quoi. Mesdames, excusez-moi. Vous voulez faire la sale besogne, c'est parce que vous êtes plus près de la porte que moi. Ah, stratégie. Bah, j'ai pas fait exprès, hein. Si tu veux, on échange. Vous avez mis près du micro, c'est déjà ça. Ville d'Anke. Alors, vous êtes toujours sur Factor News et nous jouons toujours à... Milk Meg of the Milky Way. Voilà. Bon, alors du coup, attends, maintenant on peut faire du fromage. Maintenant on peut aller faire du fromage. C'est ça. Et à mon avis, après il y a Erland qui va arriver, on va pouvoir lui pécho son vélo pour c'est aller ça. Au village. Ah, et lui vendre le beurre et le fromage. Ah ouais. Il nous faut bien un pigeon qui passe par là une fois tous les 10 ans quand même. C'est clair. Merci Erland. Ou Erland, je sais pas. Bah, il n'y a plus qu'à foutre le bois là-dessous. Hop là, vous voyez. Voilà. Ah. Et hop, la cuillère, non ? Ouais, on prend la cuillère. Ah oui, faut touiller. Tout est bien en place, paré pour la suite, mais avant tout, faisons chauffer cette marmite. Elle a du feu au moins ? Ah non, hein.
Mais alors on a réparé la cheminée. Parce que s'il faut trouver deux silex là-dedans, moi je dis non les gars. Ah, le son et l'odeur, lumière et chaleur, quoi de mieux qu'un bon feu pour réchauffer le cœur. Oh là là, belle accent en même temps la pauvre. Mais rigolez pas, je suis sûr que vous rêviez de passer des vacances. Ah non, grave, non non. non, moi en Norvège sans problème, mais alors... Bah deux jours quoi, pas plus. Ouais, et puis je veux dire, pas seul quoi. On est en train de passer, à peine mes tâches de la journée accomplies, j'entends « Hey, Route !» et un cheval qui hennit. Elle s'appelle Route. Route. Ah ouais. Aucun doute, Erland est arrivé, j'arrive sans tarder. Est-ce que Erland est beau gosse? Bah c'est ce que j'allais demander, parce que... Hey, le sentier qui mène ici aura ma peau. Erland est essoufflé en tout cas. Erland, le souffle quoi. Ah, gentil. Ah, on est gentil, moqueuse ou direct? Ah, on est moqueuse. Ah ouais, ou direct. Ah ouais. J'ai l'habitude de ces moqueries, provocations et bavardages. Un peu d'exercice ne vous ferait pas de mal, vous, les gars du village. Alors aujourd'hui, tu portes un pantalon? Habillé comme ça, tu ressembles à un garçon. Venez, je fais Erland. Ouais, tu fais Erland, Charlotte, tu veux que je fasse Erland? Bah fais-le toi, vas-y, ça va. Alors... Déjà, Ornella, on est une moqueuse, gentille ou direct? On est moqueuse. Oh bah on est moqueuse. Au moins, ma braguette, elle, est fermée, dis-je, sans cesser de le fixer. Eh ben dis donc. Mais attends, t'es sûr que c'est Erland qui parle, là? Oui, oui. Non, c'est la fille qui parle. Ah voilà, alors attends. Part, ouais. Merde. Il sourit en se grattant la tête. Comment vont les choses, ici, dans ta fermette? Alors toi, t'es apeuré, honnête ou direct? Je dirais honnête, quoi. Honnête, ouais. C'est la merde, frère. C'est à toi? C'est à toi, vas-y. C'est à moi, d'accord? Non, c'est à toi. C'est à toi, Ornia. C'est elle qui parle. J'ai comme un sentiment bizarre ces derniers temps et le sommeil me fuit, malheureusement. Je le sens à cette distance et pensées sont ailleurs, apparemment. C'est bizarre, j'arrive pas à... Les couleurs sont un peu étranges à cerner, ouais. Là, ouais. Mes paroles ont dû le gêner, c'est dommage, je vais changer de sujet par les beurres et fromages. C'est la première fois que je vois une rime avec fromage. Du coup, t'as vu, ça a raté, on a mis honnêteté et ça fait un blanc, tu vois. À propos de tes produits artisanaux, il avait l'air circonspect et un peu penaud. Tu sais, ils se vendent moins bien, les gens préfèrent la margarine qu'ils trouvent au magasin. Comment? De la margarine? Cette graisse insipide produite par Espagne, produite par une machine? Crois-moi, je suis comme toi, révoltée comme jamais. Les villageois boudent les produits de la ferme désormais. Ces mots m'ont mis un coup. Je me sens bien morose. Et mon fromage des montagnes, c'est la même chose. Eh bien, le fromage, oui, ça se vend. Mais les clients ne se bousculent plus comme avant. Viens donc voir par toi-même, tu serais surprise, je t'assure. Ils ont même ce truc qu'ils appellent haute couture. Oh, mal à l'aise, c'est joli. Mal à l'aise. Je ne me sentirais pas bien en ville. Les gens me voient sans doute comme une fermière débile. Erland regarde en air et sa voix a changé. Tu veux encore vivre ici, totalement isolée? C'est quoi? Vague? Réservé? Oh là là. C'est compliqué, hein. On a zéro chance de le pécho, là. Ah ouais, non, c'est compliqué, là. À vous de voir, hein. Bah, peut-être qu'on est vague. Ouais, vague, hein. Je regarde le fjord tout en bas. Je ne sais pas. Au doc, ils cherchent des travailleurs. La paix est plutôt bonne si tu ne comptes pas tes heures. C'est mieux que la ferme et creuser la terre. On pourrait même voyager avec un tel salaire. Bah, il y a moyen de le pécho, mais pas dans la ferme, en tout cas, tu vois. Ouais. Ah ouais, il aime la ville, lui, hein. Ouais. Alors, on fait quoi? Le mal à l'aise, ça me fait rire. Mais, Réservé? Tu t'hésites? Ou on continue à être vague? Qu'est-ce que... LP? Je sais pas, il m'a l'air bien indécis, ce garçon, hein. Peut-être qu'il faut faire un peu de rentre-dedans, hein. Ah ouais? Bah là, y a aucun truc qui rentre dedans. Alors, mal à l'aise? Ah, vague. Allez, vague. Tel un poisson évitant la prise. Je réponds, je suis indécise. Prends le temps d'y réfléchir, c'est normal. Tu sais, j'ai déjà vendu mon cheval. Oh, il se casse, lui. Eh ouais. En le regardant, je dis, peux-tu m'aider, s'il te plaît, à vendre mon fromage et mon beurre tout frais? Ils sont trop mignons, ce fourqueur. Le fromage, oui, le beurre, tu peux le jeter. Tant pis pour ces villageois maigrelets. Oh, putain, on s'est fait chier pour rien, quoi. Non mais la pauvre, attends. En plus, ça tue du bon beurre, quoi, du fjord. Il y a des gens qui paieraient vachement cher pour ça au marché de la friche. Oh, c'est beau, j'adore. Et ben voilà, on a la Milky Way aussi. Petit moment. Oh là là, c'est génial. Oh putain.
Elle fait un cauchemar. Au réveil, comme un mauvais pressentiment, quelque chose ne va pas, je le sens. Il fait frais dehors dans l'air, un drôle de parfum. Quelque chose ne va pas, je le sens bien. Alors, ah oui. Ah, dans, là, dans l'étable, on va voir dans l'étable. Là, il faut trouver ce qui va pas. Ou alors, on va voir notre... Oh non, il en manque une. Je sens au fond de moi une peur atroce monter. Laïki a disparu, on doit la retrouver. Bah alors, on va voir directement au bloc de sel, non? La vache est en train de se réveiller, encore toute secouée. Elle a vu quelque chose. Lassie, t'as vu quelque chose? Mon cœur se mit à battre la chamade soudainement, mais la vache est juste là, endormie paisiblement. Elle est plongée dans un sommeil bien heureux. La laisser ainsi est ce que je peux faire de mieux. Je vérifie pour elle quand même. Non, ça va, elle est encore sans sommeil. Allez, c'est bon. Bon bah alors là, on... Alors si quelqu'un provoque, bah ça va pas du tout. Il faut repartir. Non mais hey, elle se fait dépouiller, hein. Il y a quelqu'un qui l'est fait les 3 heures de route, hein. J'ai compris pourquoi ça marchait pas le Vitonio, vous savez, on en avait des problèmes hier, c'est parce que l'écran de l'ordinateur... Le masque. Ah. Ça. Et alors là, est-ce qu'on repart du coup au bloc de sel? Là, faut aller au bloc de sel, il doit y avoir un truc quoi. Donc si c'est en Bluetooth, c'était très interférence. Moi, je sais pas. Non, mais ce que les piles sont neuves, hein, donc le clavier fait une interférence qui fait que voilà. Ah, oh, c'est quand même très très joli. Moi, ah je trouve, ouais, hein. C'est même clair. Même commenter, je crois, si on clique sur le ciel. Des étoiles à l'infini se reflètent dans l'océan comme des aiguilles étincelantes plantées dans le néant. Oh pardon. Recommencer le jeu, quoi? Ah, excusez-moi, c'est je me casse. Le menu se trouvait à l'endroit où je voulais cliquer. Là, si on clique sur la Voie lactée. La Voie lactée semble couper le ciel en deux. Des étoiles à l'infini, quel spectacle prodigieux. Excusez-moi. Mais tu veux qu'on décale le truc là? Je sais pas trop comment pour organiser pour ma souris marche exactement. Mais approchez-le de vous sinon. Ouais. Et dépliez les points. Quand ça, je. Ah, verrez, c'est pas très grave, je pense qu'il y a. La manette elle peut aller par terre, c'est bon. Non mais ça va, regarde. Hop, excusez-nous. Ah, alors là on a carrément c'est de la logistique. Ah bah oui, on est en Norvège. Le chargeur, tu l'as pas repensé. Les aurores proéales sont propices aux histoires et aux rêveries, mais là j'ai vraiment d'autres soucis. Eh ouais, tu m'étonnes, ma cocotte. Je pense que le bloc de sel était suspect, il faut aller du coup. Ouais, non, là il faut y carrément aller. Carrément que ça se passe là. Ouh là là, ouais. Est-ce qu'il y a notre vache? Je crois qu'en fait, il y a Bluetooth sur ton ordi. Ah bah regardez la manivelle. En regardant par terre, quelle drôle de découverte, la cloche de Laïki, là, merci, dans l'herbe verte. Oh, Laïki, oh, es-tu? Attends, mais elle est où, Laïki? Une lumière rayonne derrière la stèle, cet étrange monolithe de sel. Ce spectacle réveille en moi une sensation indéfinissable, un frisson me parcourt le rable. Donc là, on a la cloche de la vache. Ouais, le problème, c'est que... Ce truc brise sans qu'on sache qu'on puisse faire quoi que ce soit avec. Et si on essayait de sortir les trucs qu'on a, là? Bah, attends. Ok, je vais faire teinter la cloche, mais ça sert à rien. Je lui fais parce que là, concrètement, le bloc de sel est allumé. Et on a du lait et du fromage, si j'ai bien compris. Putain. Oh non, Laïki. Laïki, je sais pas. Laïki ne peut plus sortir, elle est piégée, la gorge nouée, j'essaie de l'appeler. Ah. Alors là, il faudrait qu'on arrive à... Bah, agiter son truc, son collier, là, pour qu'elle sache qu'on est là, qu'on va la rattraper. Un piquet de métal qui servait, nanana, la cloche de Laïki, je l'ai retrouvée. Non, celui-là, cuillère en bois. Pourquoi elle a marché sur l'eau? Et nous, comment est-ce qu'on... Je me sens impuissante face à un tel danger. Laïki prise au piège dans ce lac gelé. Bah si, il est gelé, elle peut marcher dedans. Elle n'entend pas mes cris désespérés. La peur me paralyse, mon cœur va exploser. Putain, comment on fait? Si j'essaie d'y aller en nageant, si j'essaie de la tirer, je finirai moi aussi noyée. À chaque seconde qui file, l'espoir s'amenuise. Je ne sais pas nager, y aller serait une bêtise. Laïki... Si j'essaie d'y aller en nageant dans ces eaux glacées, c'est la mort qui m'attend. Et si elle enlève la planche? C'est ça, exactement. Pour essayer de faire un... Comme une arrivée de bateau, tu sais. Elle interagit pas avec la planche. Ah, merde. Non. Est-ce qu'avec la spatule, on peut pas soulever... Si je rebrousse le mal, la question noire, c'est certain. Donc il faut rester là. Il faut trouver un truc, là. Lucas, c'est un jeu plutôt tranquille, je peux pas... On n'est pas du tout stressé. Moi, c'est comme si mon enfant se noyait, là. Non, mais c'est horrible. C'est bien de jouer avec des hypersensibles. C'est bizarre parce que on n'a pas le droit d'aller là-bas, mais on a le droit d'aller ici. Ça veut dire dans la bulle, là, y a pas un truc. Et si t'essayes de mettre la cloche sur ça, y a rien qui. Le beurre. Non. T'es pas rien faire sur le rocher. C'est indéniable, d'accord.
Ouais, faut trouver une solution. La ferme, y a quoi? Le mec se fout de notre gueule. Mayday, une vache à la mer. Eh ben oui, on est super triste pour la vache. Est-ce que t'as pas une idée de comment la sauver? Ouais, j'avoue que MDR, une vache à la mer, merci, c'est super sympa. Au moins tu rimes. putain, mais comment est-ce qu'on la sauve là, notre vache? Avec plus de bois. Non? Merde. Non. Mon cycle de sommeil. Putain, ça fait. T'es qu'elle aime le beurre? Peut-être qu'il faut la pâter avec le beurre. Attends, bon, le village on peut pas y aller de toute façon, hein, c'est clair. Non. Ah bah oui, c'est bien le moment d'aller faire 3 heures de marche. Je pense, on s'en fout, c'est pour 10 jeux. Et si on retournait voir sa mère? Ah, est-ce que sa mère a un... Je sais pas, peut-être que là, du coup, vu que c'est un soir un peu spécial, peut-être que ça... Je sais pas. Ouais, peut-être. De toute façon, on n'a pas mis l'option. Aïe. Oh non, non, c'est bon, ça me tend à chaque fois de l'avoir se noyer, là, c'est terrible. Et ouais, moi j'aurais bien vu là qu'on changeait de place. Je secoue la cloche désespérément, mais là il y a sans doute de l'eau jusqu'au tympan. Attrape le tronc, et non, ça fonctionne pas. On a essayé. Ouais. Et non, ça marche pas. Et est-ce que avec, je sais pas, avec la spatule, c'est décidément cette spatule, tu sais, on peut pas là. Attends, qu'est-ce qu'elle a dit là? Nage jusqu'à moi. Nage jusqu'à moi, je t'en supplie par pitié. Mais Laïki nage au hasard dans ce lac sombre et gelé. Ouais, alors avec la. Ouais, et si. C'est un bidon, mais bon. Eh non. Et si là, avec la cloche. Évitons cela, madame. Merde. Le tronc du clou, pas la planche. Ah, le tronc. Le tronc, on a enlevé le clou, nous dit Laurent de la house. Oui, le rondin de bois, quoi. Ah, et ce truc, on peut toujours pas l'enlever. Non, apparemment, ça fait rien. Je vais recliquer dessus pour être sûr, parce que peut-être qu'elle a changé d'avis, mais... Il faut essayer d'aller récupérer le rondin... Oui, mais une fois qu'on récupère le rondin de bois, qu'est-ce qu'on fait, ça... Non, mais surtout, elle peut pas le déplacer. Elle peut même pas arracher un clou. Tu penses qu'elle va pouvoir déplacer... Ben ouais, mais peut-être que si on le fait rouler... Peut-être que si elle attache ça à ça. Ah! Ah, ce n'est pas assez fort. Bien, ouais. Je cogne la cloche énergiquement, ça marche, on dirait, elle m'entend. Ah, fais-le! Allez, mon bébé, on y va. Allez, Laïki! Mais tu dérives, là, tu dérives. Ah, allez. Allez, 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 allez. Ça a l'air de marcher, je reprends espoir. On refait le truc, là. La cloche qui sonne dans le noir. Il faut remettre le... Encore. Allez. Encore quelques tentatives, allez. Elle est presque sur la rive. Allez, Laïki! Allez! C'est bien le allez. Bébé à sa mère, oui. Voilà! Oh, on peut soulager! Allez, allez, lui dis-je doucement, je prendrai toujours soin de toi. J'en ai fait le serment. Oh, chouchou. De plus en plus de trucs bizarres dans cette ferme. Hein. Après cette nuit blanche, j'emmène les vaches au pâturage. Quel bonheur de sentir le soleil sur mon visage. Ah, pardon, il y a eu un. Je crois qu'il faut nettoyer les tables. L'aventure de la nuit dernière n'a laissé aucune une trace, là qui va bien, là de l'appétit et pas la moindre angoisse. C'est assez ravissant. Oh là là, ouais, mais bon. On est costaud avec qui, hein? Ouais. C'était quand même bizarre ce truc de bout de sel qui brille quand même dans le noir. Hein. Bah, cette espèce non, de monolithe sûr, hein. De sel là qui tombe de nulle part. Y'a rien qui va là. Hein. Tu veux qu'on mette le truc là du coup maintenant que j'ai coupé mon Bluetooth? Non, c'est pas nécessaire. Oula! Oula! Ah! Ça va! Oh, putain, ça va! Et là, y'a une vache, tu sais, qui va sortir un peu l'intérieur comme ça. Et là, il y a Candia qui va débarquer. Vous nous faites de la concurrence, connard. Candia, pas Candia. Un son assourdissant. Une chaleur qui pourrait tout brûler. Une vision si étrange qu'elle laisse bouche bée. Est-ce un rêve? Non, c'est la réalité. Fuck. Est-ce qu'elle va vers mes vaches? Ah ouais, là, il faut... Elle va vers mes vaches, la salope. Mais non. Non. Eh, mais c'est peut-être comme ça que sa mère, elle a disparu, hein. Attends, c'est peut-être sa mère, d'ailleurs. Et le retour de l'espace où elle est partie. Oh là là. Non! Les vaches ont l'air perdues et apeurées, c'est horrible! Quel est donc cet engin volant si terrible? Oh non! Putain, lui. Évidemment qu'elle fait ça, oh non! Mais non! Et pas Eli.
Et si, en plus, ils ont pris mes vaches aspirées dans les airs, les bras m'en tombent, ma mâchoire touche terre. Ah, vous avez vu Laurent Delahousse, ça a vu le. Les aliens précédent. À l'aubergine. Vous vous en rappelez? Il dit quoi? Les aliens à l'aubergine. Si, c'est qu'ils étaient dégoûtés. Mais si, mais si. Parce qu'on a fait les choix multiples et il y avait les aubergines émojis, dedans. Les émojis aubergines. Tu ignorais le sens de l'émoji aubergine. C'est vrai. Merde, les vaisseaux ont décollé. Non! Reviens ici! On a perdu les vaches, quoi. Ouais, ça va être difficile à expliquer ça au village, hein. Ah, vite, saute! Allez, saute. Allez! Le vaisseau manœuvre en dessous dans les airs, mon pouce accélère, mes mâchoires se serrent. Allez, boum, vas-y, saute! Saute, on y va là! J'ai l'impression qu'elle est en vie. Oh, oh! Puis-je tenter de sauter à un élan? J'ai intérêt à bien calculer ou c'est le vide qui m'attend? Bah, allez, calcule bien! Et ben, allez, boum! Vas-y, boum, maintenant, mais cours! Go, non, go, mais, go, mais, go, 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 go! Allez, allez, je me lance, allez. Je tente ma chance. Waouh! Oh non, 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 allez, non, allez, accroche-toi, 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 accroche-toi! C'est bon, on y est! On remonte! Allez! Non, mais la meuf, quoi! J'ai un sacré mal de crâne, c'est vrai, mais au moins j'ai atterri où il fallait. J'ai une petite égratignure. Bon, j'ai réussi à ne pas tomber. Maintenant, trouvons un moyen d'entrer. Salut, Béhule. Ou Bulle. Salut! Bonjour. Bulle. Pourquoi il a une couronne, Bulle? Pourquoi elle a une couronne? C'est pas un truc. Faut que je vous explique, je crois que c'est quelqu'un du staff, mais je sais pas qui c'est. Ah! C'est peut-être Bibou95? Bref, je vais y. Le vaisseau est fabriqué dans une étrange matière. On va vers la proue par une pente légère. Ah, on pourrait peut-être faire du toboggan avec le beurre. Le dôme gigantesque soleil scintille. Je ne vois aucune fenêtre, pas la moindre écoutille. Ah ouais, elle peut pas rentrer, quoi. Là-haut, là, il y a un petit. Elles ne bougeront pas, dis-je en baissant les bras. Ben, notre fameuse spatule va peut-être nous servir à. La meuf qui a cru que la spatule allait servir à tout. C'est la Baron de Fer. Ah, le Twitch Prime, d'accord. Twitch, ok. Prime. Je savais pas du tout que les couronnes, ça veut dire Twitch Prime, ok. C'est quoi Twitch Prime? Eh ben. Je sais pas. C'est quand les gens sont abonnés. Attention, mais Bulle, on est sûr que c'est vachement cool. Hein, ah oui, oui, oui. Mais on sait juste pas ce que c'est. Ah. Le vaisseau est fabriqué dans une étrange matière, blablabla. Bla, bla. Ok, pente légère. Bah, bon, on a toujours pas bougé, comment, quoi. Comment on va vers la proue alors? Et on peut pas ressauter sur la falaise du coup, parce que c'est. Ah. Ah, et là, si on passe sur le côté. Voilà. Wow. Et là, on peut pas rentrer dans par le petit trou là? J'aimerais beaucoup. Parce que ça m'a l'air un peu trop risqué à. Peut-être, hein, attends, si elle se. Non, je pense que c'est pas possible. C'est un panneau bien étrange avec juste des trous. Je ne vois aucune commande du tout. J'avais une prise. Et si on mettait le livre et la spatule? Si on mettait la spatule en bois et le beurre? Non, mais passer c'est mon journal pour reboucher un trou de. Je sais pas, en plus, le journal n'est pas non, mais en plus, le journal, on l'a lu, mais. Il est temps de se creuser les méninges. Allez, la cuillère pourrait peut-être servir de levier. Peut-être. Vous voyez que cette cuillère, ouais, elle est géniale. C'est la cuillère à tout la faire. La cuillère dépasse, hein, un peu, mais sinon, on ne peut pas faire mieux. Ok, et donc, à côté. Tu fais levier. Le levier doit servir à fermer. Le conduit d'où la vapeur semble s'échapper. Ah, et après, comme ça, elle peut passer par. Ah oui, d'accord, je vois ce que. Bulle, merci pour tes explications, effectivement. Ça permet d'avoir tes sous. Mais attends, je sais pas si on a beaucoup de sous. Alors, la suite continue, les enfants. Alors, pour mieux voir, je me baisse doucement. C'est une plaque de métal brûlant. Donc, passer par là, c'est peut-être pas très. On a pas du sel, du coup non, ça. Attends, le beurre, ça roche vraiment brûlant. Bah, il va fondre. Bah, ouais. Mon bloc de beurre n'est plus maintenant qu'une simple flaque d'huile gras luisant. On le récupère du coup. Hop, maintenant j'ai du gras. Uh-huh. Le beurre a fondu facilement. C'est une flaque de gras maintenant. Et ok, gras, ok. On peut okay. lubrifier les choses. Et ouais, tout à fait. Comme par exemple, un levier. Ta ta ta. Non, ah non, elle s'en fout du levier, c'est bon. C'est mais fini. Non, parce qu'elle a déjà éteint la vapeur en fait. Ouais, donc on dirait qu'on tu a fini ce qu'il y avait à faire sur la poupe. Ouais, ouais, ouais. Peut-être voir si on peut avancer là. Ce vaisseau ne vole pas comme un avion ordinaire. Il n'a pas de réacteur et il flotte dans les airs. De dingue. Alors ouais, repartons par là-bas. Et il faut récupérer la cuillère. Hein. Non, non, parce non que là, si, là pour si, le moment. Si, ouais. Si on perd la cuillère, on est mort. Hein. Bah non, la cuillère, elle est coincée maintenant. Je crois. Hein. Ouais, ouais. Mais à quoi ça sert le beurre, là, le gras maintenant? Moi, je te dis, à mon avis, on va glisser sur une pente, on va faire un truc. Comme bah ça. Ouais, mais on veut monter sur la pente, pas. Le dôme. J'ai graissé. Parce que le soleil. C'est du délire. Et on n'a pas fait le tour. On n'a pas fait le tour encore. Et ben ces espèces de plaques là. C'est bon, les portes.
Ah, et si on... Et si tu graisses. Est-ce que l'huile pourrait servir de lubrifiant? La trappe est trop lisse et sans trop apparent. C'est pas possible. Cette trappe présente une légère fente sur le côté. Mais même en forçant, impossible de la faire la bouger. La cuillère. Eh ouais, mais peut-être que le beurre fondu peut m'aider à graisser les bords de la plaque qui est coincée. Il y a bien une plaque qu'on va réussir à faire bouger sans doute. Le beurre s'infiltre sur les bords et disparaît. À mon avis, c'est maintenant ou jamais. La trappe est bloquée encore, peut-être que si... Oh ah zut alors. Ça arrive toujours. Oups. Ça arrive toujours. Alors. Nous voici à l'intérieur du vaisseau. Yes. Nous voilà dans la gueule du loup. Je me suis un peu fait mal au dos, mais je suis dans le vaisseau. Bon, il n'y a plus qu'à fouiller, hein. Bah ouais. C'est faut regarder ça. Partout, hein. À travers le mur, je sens comme une vibration. Ça vient peut-être de la ventilation? Peut-être. Continuons par là. Vous croyez qu'elle va d'autre, là? Vous croyez qu'elle va retrouver sa oui, maman? Oui, elle va retrouver. Je suis saisie d'effroi. J'entends des bruits de pas. Non, sa mère. Ah, sa... Oui, sa mère. Ah. Sa mère aussi. Oh mon oh, Dieu. Putain d'Adèle, qu'est-ce que c'est? Un vieil homme s'exprime dans un étrange langage. Sa voix et son visage semblent hors d'âge. On va dire que c'est moi qui le fais. Mm-hmm. Plutôt que d'essayer de le traduire, je fais demi-tour et essaye de m'enfuir. C'est très courageux, Ruth. S'enfuir où? Oh putain! Celui-là, ah ouais. Il a l'air moins sympa, hein. La silhouette majestueuse me fixe intensément. Elle parle dans une langue qui m'échappe totalement. Je lui dis franchement, je ne comprends rien. Vos mots doivent venir d'un pays très lointain. Je pense qu'elle a dû comprendre aussi qu'on ne pourrait pas continuer ainsi. Oh putain. Pouvoir de comprendre la langue. Ces mots sonnent bizarrement, mais je les comprends. Elle me demande mon nom un peu fermement. Ah, poli, alors... poli, là on est poli, hein. Ouais. Non? Oh, on a la trouille. Je la vois qui m'écoute. Je m'appelle Ruth. Ruth, dit-elle d'un air sévère et intrigué qui me fit bien frissonner. Bienvenue à bord du Veda, notre astronef. Tu as réussi à embarquer de ton propre chef. Mon nom est Amrita. Quelle surprise de te voir ici. Monter à bord a dû être une sacrée péripétie. Eh bien, ma peur, je ne l'ai pas écoutée. Je ne pouvais pas laisser mes vaches se faire enlever. Ah, l'irrévérence de la jeunesse, ça fait plaisir à voir. Ce n'est peut-être pas une coïncidence, cette histoire. Alors, la vache ou le vaisseau? Oh, bon, pour les vaches, je dirais. Mais ouais. Ouais, bah ouais. Je veux savoir, je dois lui demander, mes vaches, où sont-elles? Où les avez-vous emmenées? Des questions, tu dois en avoir des milliers. Avant cela, je vais te faire visiter. Oh, bah, elle nous laisse pas le choix. Ouais. Suis-moi, dit-elle, pardon. En me faisant signe de la main dans le couloir, nos pas résonnent lointains. Suivons la chef. C'est bien bon. Elle a une couronne aussi. Ouais. Mais c'est prenant, hein, franchement. Mm-hmm. Ah ouais, grave. Ah, ça change de la ferme. Hein. Ah bah putain. On le voit du pays. Très phallique ce qu'il y a au fond, moi, je trouve. Bienvenue à bord du Veda. Suis-moi. Il y a tant de choses qu'il faut que tu vois. N'hésite pas à y mettre les formes, hein. On est toujours quand même une alien. Ah, tu veux que je mette la voix? Ah bah, fais-toi plaisir. Alors, c'est pas le chien. Je n'aurais jamais cru que cela puisse exister. Chaque chose en son temps, dit Amrita avec fermeté. Ça, c'est donc ma voix d'alien. Voilà, pas mal, jolie voix d'alien. Il n'y a rien à voir, ça te regarde pas, tu ne voudras pas te perdre, mon enfant, dit sévèrement la voix. Mais c'est hyper chaud à faire une voix d'alien. Bah, tu veux faire une voix de studio sage, c'est une voix d'alien trafiquée, j'en sais rien. Tu es juste, imagine bien que. Imagine-toi le perso. Attends, mais ça, c'est dans le vaisseau, genre? What the fuck? Vas-y. Voici le biodôme, notre sanctuaire. C'est ici que les animaux vivent et prospèrent. Bizarre, ton alien. Ouais, il est hyper sérieux. Le dôme est empli d'air pur et baigné de lumière. Un paysage grandiose à tomber par terre. C'est le temps fort de cette petite visite guidée. Comme tu peux voir, tes vaches sont en sécurité. Moi, j'ai envie de dire sceptre d'un coup, tu vois, quoi. Oui, spectre, non, les animaux là, les. Ouais, c'est quoi ouf. Ça déjà? C'est ouf ça. Mais quoi? Vas-y, animaux. Ah, vas-y. J'arrive à peine à articuler, mais qu'est-ce que c'est? Jadis, les Milbix étaient nombreux et de toutes sortes. Maintenant, il n'y en a plus que 4. Les autres sont mortes. Amrita baisse la tête affectée. Hélas, il y a des lustres que le dernier mâle nous a quittés.
Hélas. Non, j'ai envie de vous parler comme ça, je veux pas. Tu veux faire Amrita? Non, je peux aller faire toi, attends, je rigole. Sois la chef. En posant la question, mon cœur tressaille. Mes vaches ne vont servir qu'à nourrir votre monstrueux bétail? Amrita rit. Les mille biques sont herbivores, elles sont paisibles, il n'y a que l'herbe qu'elles dévorent. Voilà, c'est déjà... Là, je suis dans l'espace. Il fallait que je rie, tu vois, c'est tout. Et enfin, le sceptre. Mais qu'est-ce que vous m'avez fait à la tête avec votre sceptre? Soyez honnête. Malgré la petite douleur, tu ne dois pas te méprendre. Je t'ai fait un don. Désormais, tu peux nous comprendre. C'est mieux? Oui. Vas-y, improvise, s'il te plaît. Il faut que je voie tes vaches. D'après notre berger, elles sont magnifiques, de vraie beauté. D'après notre berger, donc ils ont un berger. Ce serait pas Erland? Ah, c'est Space pas... Space Erland. C'est pas ça le boulot au doc, en fait? Attends, ça c'est des docks sympas. Je vais pas courir là-bas, mais je vais y aller. Oh, qu'est-ce que c'est là, par terre? Mais moi je veux ça là, le truc avec les deux cornes. Oui, c'est mignon. Quel soulagement d'entendre cela, mes vaches ne seront au menu d'aucun repas. Voici Pâle, notre spécialiste esbovin. Selon lui, tes vaches sont parfaites en tout point. Au pire, je ferai Pâle. Oh, écoute, le vieil homme dit. Effectivement, elles conviendront parfaitement. Mais conviendront à quoi? Qu'entendez-vous par là? Pour le sacrifice, voyons. Oh, dit-il sans la moindre émotion. De quel sacrifice parlez-vous? Allez, dites-moi tout! Mes jeunes filles, pourquoi ces pleurs? Voyez-vous, notre bétail se meurt. Abasourdi, j'entends quand même ces mots. Seules tes vaches peuvent sauver notre troupeau. Mon cœur est perdu d'une douleur soudaine. Pour sauver vos bêtes, vous allez tuer les miennes. Elles ne seront pas vraiment tuées, mais un sacrifice doit avoir lieu. Désolé. Mais dites-moi en plus sur ce sacrifice dont vous parlez. À quel péril mes vaches sont-elles condamnées? J'imagine que c'est dur à croire, trop mystérieux. Nous savons transférer un âge, rendre jeune ce qui est vieux. Sans la voir, tu ne me croiras pas. Je vais te montrer la machine qui fait cela. « Regarde, Ruth !» lança-t-elle d'une voix fière. « Voici la machine par laquelle la jeunesse régénère. » Ah, le truc phallique. C'est ça, le truc phallique. Complètement, ouais. « Tes vaches sauveront notre troupeau sacré grâce à leur âge que l'on va transférer. »« Pourquoi prendre mes vaches pour cela ? » balbutiai-je, le corps empli d'effroi. « Pour inverser l'âge, il faut une contrepartie. Telles sont les lois de l'univers, c'est ainsi. » Un échange équitable, la nature réclame. L'âge est une braise, mais la jeunesse une flamme. Marchander, il faut marchander. Il faut qu'on marchande, parce que de toute façon, sinon... Elle a quand même un truc... Il doit y avoir un autre moyen, je vous en prie. Je ferai n'importe quoi, c'est promis. Amrita retrousse ses lèvres doucement. N'importe quoi, jeune fille, vraiment? Trêve de bavardage, arrêtons ce petit jeu. Vois-tu ce cercle? Place-toi au milieu. Oh là là, mais non, elle va inverser son âge avec l'autre, là. Tu crois? Mais oui, mais non, fais pas ça, n'y va pas, tu vas être vieille. Tu vas être vieille, mais surtout pas malheureuse. Moi, je peux pas m'en aller. Moi, je pense que c'est ce que Amrita a derrière la tête, hein. Lord de la Houe, c'est une autre suggestion. Hein? Gang bang, t'as espèce d'entre les vaches et les big beasts. Dégueulasse. Moi, je suis pour le polyamour aussi, Lolo. Mais moi, j'avais pensé à ça aussi, hein. Mais bon, a priori, beaucoup de cacolac pour Lord de la Houe. Mais... peut-être, hein. Le cacolac a des effets. Ah, oh, hein. Grandiose. Est-ce que tu as des fantasmes inavoués, par exemple? On est combien de spectateurs, Charlotte? Je sais pas. On est à 6. Ah, c'est chouette. Salut la compagnie. Bonjour. Ça vous plaît? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on bloqué avec sa voix d'Amrita. Le cercle de droite, là. Le cercle de droite, là, juste devant toi. Là. Oh la salope. Je te dis qu'elle va changer. Que voulez-vous? J'ose lui demander. Elle grimace comme si je l'avais provoquée. Elle répond en cachant mal son avidité. Ton bien le plus précieux, tu vas me le donner. Sorcière. Oh, je n'ai pas grand-chose à donner, je crois. Le peu que je possède est chez moi. Dans une rage soudaine, je veux ton âge! Crie la reine. Je vous l'avais dit, putain! Ruth, tu fais n'importe quoi! Oh putain, et là tout à coup on va être vieille. Ah bah, mes joues se tordent, mes sens sont brouillés, mon cœur s'emballe, mon esprit est écrasé! Oh là là! Oh non! Oh là là, mamie! Oh putain!
Ah ouais. Alors ça, on sait pas si c'est Ruth qui est vieille ou si c'est Almarita qui est jeune. Non, ça c'est nous. Almarita. Malheureusement, ça c'est nous. Je crois que vous avez cassé le tympan de Laurent Delahousse. Hein ? Mais je peux faire mieux, hein. Bon, est-ce que je peux me lever au moins ? C'est à moi de parler, non ? Ouais, ouais. Et tu es enfin réveillé, quel soulagement ! Tu dois être perdu et endolori, surpant. Oh putain. L'homme est compréhensif, inutile de lui dire les atroces douleurs que mon corps peut ressentir. Pourquoi mon corps est différent ? Dis-je affolé. Pourquoi mes cheveux blonds ont ainsi grisé ? Notre reine t'a volé ta jeunesse quand elle t'a mise dans cette machine de diablesse. Ces mots sont comme un couteau qui transperce mon cœur. En un clin d'œil, je suis presque à ma dernière heure. Que faire ? Le processus peut-il être inversé ? Puis-je redevenir jeune ou suis-je condamné ? J'aimerais t'aider, mais je n'ai pas d'années à partager. Dans ce vaisseau, il n'y a que des vieillards épuisés. Maintenant, je dois retourner à mon travail. Désolé, la fête a lieu bientôt. À ta place, je resterai caché. Oh là là, mais non, on peut pas faire ça. C'est quelle fête ? Bonjour, le vaisseau Amrita. Amrita, non ? Enfin, ou je sais pas, bonjour. 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 Bah viens, on essaye bonjour, parce que c'est rigolo quand même. Désolé, je m'entends crier. Votre nom, me l'avez-vous donné ? Ah, mais c'est pas le vieux, c'est un autre mec en fait. Bon, je le fais quand même. Oh, mais comme je suis étourdi, je m'appelle Gopal, je suis le physicien ici. Je prépare de la bière pour les festivités, mais la levure a décidé de me tracasser. J'espère que tu n'es pas trop chamboulé. Désolé, Ruth, mais est-ce que je peux te laisser ? Amrita ? Je regarde partout douteuse. Pourquoi la reine Amrita est aussi vicieuse ? Les murs ont des oreilles ici, il vaut mieux vaut se méfier. Tu ne voudrais pas te faire encore voler quelques années. Oh la pauvre. Amrita est notre reine à contester ! Elle nous tient à l'écart et nous force à la contenter. On s'incline sans rien dire. Tout le monde a peur. Elle contrôle tout le monde avec son sceptre de malheur. Elle prend soin du troupeau, ça c'est vrai. Mais sa jeunesse, voilà son seul véritable intérêt. Elle nous a volé tant d'années à chacun. Elle nous enterrera tous, un par un. Donc il faut qu'on lui pécho son sceptre en fait. Quel est ce vaisseau et d'où peut-il venir ? Voilà un sacré mystère que je dois découvrir. Et depuis des temps immémoriaux, nous voyageons. On visite, on cherche, on se fait de nouvelles relations. Notre histoire remonte à des milliers de soleils. On a traversé tant de galaxies, vu tant de merveilles. Je suis né bien après que le dernier taureau nous ait quittés. Amrita est notre souveraine depuis une éternité. On cherche, on prie, on obéit aux règles. Mais le futur est bien morne quand on est rabaissé et si faible. Je crois que nous avons fait le tour de ce qu'elle nous veut dire. On peut encore demander la fête. Ouais, la fête. Je demande avec un peu d'anxiété. Quelle est cette fête dont vous parlez ? Une fois que les Milk Beasts ont rajeuni, on fait une fête. C'est Amrita qui l'exige et mieux vaut remplir son assiette. Gobal baisse la tête et soupire. Et moi, j'aurais vraiment voulu rajeunir. Oh, mais c'est... Ça part en couille, hein. Tu pourras faire la demoiselle. On lui dit quoi d'abord ? Bonjour. Je salue cette dame qui coule. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, ma chère, je suis débordée. Ses yeux sont rouges, on dirait qu'elle vient de pleurer. Je suis Ruth, la fermière. Excusez-moi, Stella, c'est pas grave. Je suis Anisa, la couturière, c'est moi. On parle d'abord de couture, ouais. C'est vrai, mais en fait, j'ai une voix de vieille. J'arrive pas à en avoir deux. Travail semble demander beaucoup de minutie. Que confectionnez-vous ainsi ? Bon sang, c'est un véritable calvaire. Cette cape est beaucoup trop grossière. Amrita exige une cape qui vole, littéralement, mais mes tissus sont lourds et tombent désespérément. Cette étoffe ne pourra jamais voler comme de la soie, pas d'ici la fête du lait, en tout cas. Machine qui transfère l'âge. Connaissez-vous un moyen pour rajeunir ? Un échange peut-être avec des jeunes qui auraient quelques années à offrir ? La couturière soudain distraite garde la bouche fermée. Elle finit par marmonner. Désolée, aucune idée. Pardon, c'était pas en jaune aussi. C'est vrai que c'était pas très clair. Wow. Ah, garçon. Garçon. Ouais. Il y a un garçon là, je ne rêve pas. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Allez, j'ai un travail à terminer. Ah bah la cape. Quelle est cette cape? Ah non, on vient de la lire. Et alors si on refaisait garçon? Là, vas-y. Oh, là. Boum, boum. Il y a une touffe de cheveux qui dépasse. Hé, à qui appartient cette tignasse ? Je fais les garçons du coup ? Ah bah ouais. Oui.
Voici Halim, le dernier garçon ici, j'en ai peur, il doit rester caché en attendant des jours meilleurs. Si Amrita le découvre, tous nos espoirs seront perdus. Ça doit être notre secret, vois-tu? Et quand je serai grand, je changerai tout ça. Je ne laisserai plus la reine nous traiter comme des rats. Halim, mon garçon, ton heure viendra. Mais pour l'instant, j'ai besoin que tu restes avec moi. Allez, vite, vite, cache-toi, lança Nisa. Je sais pas faire des voix d'enfant. Bah, en même temps, c'est une vieille. La fourrure, mais un peu trop rêche et dure. Donc là, on a elle qui a un problème de tissu, le mec d'avant qui a un problème de levure. Il va peut-être falloir... Il va falloir rendre des services un peu à tout le monde pour... Surtout pendant qu'on est une grand-mère, quoi, c'est terrible, hein. Ah ouais. Puis elle a pris du poids peu cher, hein. Bah ouais, 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 puis elle... C'est une turbine en pleine rotation, elle tourne comme un tourbillon. Une flamme incandescente défiant la gravité flotte dans cette immense cavité. Oui, c'est vrai qu'il y a quelques petites fautes de frappe qui sont déplacées, fort défait, lors de la housse, c'est tout à fait exact. J'ai un... Qui c'est qui a un accent robinesque? Bah, j'imagine que c'est moi. Ben oui, sans aucun doute. Oui, Laurent Delahousse et moi avons des amis en commun. Hein, putain, il y a des fautes quand même, c'est pas sérieux. Ouais, 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 ouais. Ouais, mais il est cool le jeu. Mais c'est vrai que le jeu est très cool. Encore. Alors, est-ce qu'on peut... Non, c'est trop lourd là, la caisse de transport, on peut pas... Ah bah non, on va se déplacer tranquillement et discuter avec tout le monde, je crois. Hein. Ouais, ouais. Qui est ce mécano? Parlons-lui. Bonjour. Non, pas ce que... Hé, bonjour. Tu veux faire le mécano? Non. Ah bah toi. Vas-y, vas-y. Et bonjour, Miss, je suis le mécanicien, Miss. Mécanicien, Miss, t'as l'air nouvelle, on te connaît pas, si. Qu'est-ce qui t'amène par ici? Je lui explique ma situation désespérée pendant tout le récit. Vice secoue la tête, désemparée. Alors comment peut-elle demander d'être respectée alors qu'elle fait que nous brimer et nous voler? Je me révolterais si je n'avais pas cet âge. J'ai quelques outils qui déblairaient bien le passage. Réparation? Sur quoi faites-vous toutes ces réparations? Dis-je devant ce drôle de moyen de locomotion. Ça, c'est un overslide, un modèle ancien. On garde le bétail grâce à cet engin. Mais il a un gros souci de direction, il a tendance à virer d'un coup sans qu'on touche au guidon. Et en plus, personne n'est capable de le piloter désormais. On est trop vieux. La mort est tout près. Ah putain, elle va piloter le truc. Si vous avez besoin d'aide, je suis là pour vous. Il faudra m'apprendre un peu les outils, c'est tout. Je ne vois pas trop comment tu pourrais m'aider. Peut-être m'apporter une boisson bien glacée. Putain, le machisme est de... C'est de clair. Ah bah, il est vieux, hein. C'est clair. Bah, elle aussi. Il lève la tête et dit d'un ton sarcastique. Ah, pour m'aider au concentrateur dimensionnel, il faut beaucoup de pratique. Et si on le tronçonnait? On dirait une sorte de plan détaillé. Pour lire des symboles si petits, il faut beaucoup se pencher. Ouais, ben décidément, ça se complique. Eh, mais c'est pas ce qu'il y avait dans le... C'était la ventilation, non? Moi, je dirais que c'était le dessin qu'il y avait dans la Voie lactée. Ah ouais? Ouais. Attendez. Il avait dit... Hé, par les pattes, malheureuse! Personne n'a le droit de toucher à ma perceuse! Ok, faut pas toucher à la perceuse. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut chouer? Hé, là, je te préviens maintenant! Personne ne touche à ma boîte à néant! J'aime bien la boîte à néant. La boîte à néant, ça a l'air pas mal, ouais. La boîte à néant, ça a l'air cool. Du coup, on peut rien prendre, quoi. Là, on peut pas. Tant qu'il est pas parti du PC, on peut pas. Non. Bon, bah, route. Ouais, bah, alors, il faut. Alors, où est-ce qu'on peut le trouver à... Et on peut pas partir de l'autre côté? Bah, il va falloir qu'on remonte. Donc là, il y a la flotte. Alors, lui, il veut boire de la flotte. L'autre, elle veut du tissu. Et le premier veut de la levure. Ouais. Putain, elle va plus très vite, hein. Eh ouais, non, elle est. J'essaie de m'approcher des caisses, voir si on peut pas les manipuler en étant encore à... Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans, peut-être? Une caisse de transport? Non, il y a que... Qui sert encore? On remonte. Sachant que maintenant, on a vraiment plus aucun outil, là. On a le livre. Mais bon. On a le livre, mais on n'a pas réussi à l'utiliser. Là, on peut prendre aucun tissu. Et si on repart dans le labo? Ah, excusez-moi. Ah non. Qu'on peut re-emmerder la vieille. Non, la cape. Non. Si on repart par là-bas. Ah, bah, peut-être que dans le labo, on peut prendre une boisson et l'amener à... Par exemple, oui, c'est impossible. Regarde là-bas. Ouais, ah. Oui, il fait de la bière en plus, il avait dit. Ah, mais oui, il a dit qu'il faisait de la bière. Bah voilà. Je mets le pot vide dans ma poche maintenant. Où se trouve le bar le plus proche? Bon, on a un gobelet. C'est vraiment une drôle d'équipement pour d'étranges expériences scientifiques, apparemment. Peut-être qu'il faut que je remette le gobelet sous le... Non.
Non, mais alors là, l'échange. Est-ce qu'on peut pas... Ne touche pas ma boisson. Ah. C'est pas grave. Ne touche pas à ma boisson, merci, elle n'est pas prête à mon avis. Et là, on échange. On prend, on prend notre gobelet en fait. Mais si elle n'est pas prête, je vais l'empoisonner. Je demande avec un peu... Oui, il est fait, ah, on l'a déjà fait. Blablabla. Bon, écoute, on a un gobelet vide. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Laisse donc tranquille ma bière. Lui, il voulait de la levure, donc il faudrait qu'on lui trouve ça. Bon. Et on peut pas partir de l'autre côté. Essayez, mais j'en doute. Ah si, on peut. Ah. Ah. Oh là là. Bah, du nouveau. Il y a un petit bouton là-bas, là. La femme a les traits d'une arrière-grand-mère, la peau sur les os, on pourrait presque voir à travers. C'est terrifiant, hein. Ah ouais, complètement. La quête de jeunesse éternelle d'Amrita aurait-elle conduit toutes ces personnes âgées là? Jadis, ces gens devaient être vifs et bien portants, ils ont l'air fragiles, presque morts maintenant. Fragile et usé, le vieillard dort, sa respiration est lourde, sa peau pâle comme la mort. Elle a vidé la vie de tous ces gens-là. Oh! Putain. Je sais pas, j'ai bien fait depuis là. Il reste un dernier lit non occupé, j'espère qu'il ne m'est pas réservé. Tout a l'air de bien aller, je dois y retourner, j'ai une bière à brasser. Ah, vite, vite, on va. Il parle! Il faut vite qu'on aille chercher à. Boum boum. Ah oui. Tac. Mais prends gobelet, prends gobelet. Allez, conne. Ça va, il est trop lent, de toute façon. Ah oui, je prends ce verre, ça me mettrait un sacré bazar. Sauf si j'intervertis avec. Hop, ta ta ta. Ouais. Je change les verres en espérant bien que ça n'aura pas d'incidence sur la bière du physicien. Ça va forcément foutre la merde, hein. Si la bière est pas finie. On s'en fout, nous, de toute la merde. Allez, hop, au revoir. Il a rien vu du tout. Et ouais, si on repart là-bas, donc déjà, on a un verre de bière pour l'autre truffe, là. Ah, peinture fraîche, toute mouillée. Il y a une légère odeur de bière, mais au moins ça désaltère. Oui, c'est la bière. Je suis là depuis peu de temps, mais c'est pour annoncer qu'un truc ne va pas, c'est évident. Oh. Ce rayon de lumière mystérieusement semble inverser la gravité. Enfin, pas totalement. On peut pas ramasser ce qu'il y a par terre, là? Se baisser n'est plus une mince affaire. Je vais quand même prendre ce boulon en fer. Sous la plaque de métal tordu, une étrange matière éblouit la vue. Le boulon, je sais pas à quoi il sert. Mais peut-être dans l'atelier de l'autre mec, là, ça pourrait... Ouais, ah, qui répare, répare la petite mobilette, là. C'est pas impossible. Alors déjà, on va lui filer de la bière, et peut-être qu'après, on pourra lui voler sa perceuse ou un truc comme ça. Et elle devait construire une cape. Avec elle, il lui faut un tissu vole. Léger. Ah oui. Ils ont déjà donné la boisson à l'ami et puis on verra bien ce qui se passe. Il va pas en pas de course, hein? Ouais, ouais. Elle galère, la pauvre. Tu m'étonnes. Alors, et mais si on lui file la bière, peut-être qu'on peut récupérer la boîte à nez, hein? T'es qu'elle arrêtera de casser les pieds, surtout. Ou la perceuse. Cul sec. Il a l'air content. Il a l'air chaud, ouais. Et on peut rien choper? Tu es vraiment adorable. J'oubliais avant que je devais faire la blague. C'est la première fois que quelqu'un vient ici avec un peu à boire pour moi. Ah, on a gagné un bon. Voilà, on peut prendre un truc. Parler de réparation, par exemple. Ah non, on l'a déjà fait. Mais non. Et ben alors là, on va prendre la perceuse. Là, on va essayer de lui liquider quelque chose, quand même. Attends, le boulon. Le truc a changé, là, à la fin. Oui. Oui, voilà, tu as déjà fait avec cette boisson que tu m'as apportée. Ah, super. Non, il veut toujours pas me laisser toucher les trucs. Même la perceuse? Ne touche pas à ça, dit-il en se moquant. Ce truc peut t'arracher un bras en un instant. Donc on peut toujours pas prendre la serveuse. Fais voir le plan du truc quand même, qu'on passe deux minutes à le regarder. Alors Veda, ça a l'air d'être un... au-dessus il y a écrit Veda. Donc c'est le vaisseau. C'est le vaisseau en fait. C'est le vaisseau. C'est le plan du vaisseau, vous pensez? Ouais. Où sommes-nous? Ça c'est la vapeur, c'est le truc qu'on a la poule où on était tout à l'heure. Ça c'est la vapeur. On est tombé par le toit, on est allé le bio truc doit se trouver, je sais pas. En fait c'est un peu difficile à interpréter. Ouais. Si on essaie de lui filer un boulon, il est pas content. Qu'est-ce qu'il en aura à foutre? Ah c'est un boulon de l'ascenseur, alors pas douter. Prends donc ma perceuse si tu veux les enlever. Tu vois. Toujours rendre service. Je ne prends pas mes outils d'habitude, mais je vais faire une exception en gage de ma gratitude.
Et là on est puissant les gars. C'est un outil assez incroyable. Il visse, il perce et il est porteur. Mon phobie c'est quoi déjà? Black et des caisses. Est-ce qu'on le filerait pas à la couturière? Qu'est-ce qu'elle va en faire du coup? On dirait une araignée géante. Et vomissante. On dirait une bête aux dimensions étourdissantes. Ah, et là, c'est une turbine en pleine rotation. Elle tourne comme un tourbillon. Cet outil ne marchera pas sur cette turbine qui tournoie. Faudrait la cuillère en bois. Je l'ai plus. Non, c'est la cuillère. Bon, faut trouver un moyen d'arrêter cette chose. On peut pas passer derrière, hein. Je vais vérifier. Il est 21h30 environ. Je vous propose quelque chose. Est-ce que vous voulez que pour la dernière demi-heure qu'il nous reste de stream, à peu près, on continue à avancer dans le jeu pour voir ce qui se passe? Ou alors est-ce que vous avez envie de tester le jeu dont je vous ai parlé, qui est Wayne's Her Majesty? Qu'est-ce qu'ils en pensent, les gens qui participent? Faut le bourrer. Faut. Qui? Faut le bourrer qui? Bah, c'est pas de pizza qui nous dit ça. Salut! Coucou! Non, mais je pense qu'il fallait bourrer le garagiste, c'est ça? Ah, lui resservir de la bière. Eh oui! Oui. C'est pas con! Non, mais c'est pas con comme idée. Ouais, mais bon, vu qu'on a chouré la perceuse. Bon, bah, c'est ça. Moi, je serais pour de continuer un peu celui-là. Oh, je suis curieuse, moi aussi, j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer. Mais c'est vous, docteur S. La majorité a parlé, nous allons finir avancer dans le jeu. Voilà. Est-ce qu'avec notre perceuse, on peut pas aller faire quelque chose vers l'espèce de truc anti-gravité, là? Je sais pas. Ah, tu veux dire le rayon de lumière? Il faudrait visser la planche dessus, c'est ce que je me dis également. Comme ça. En soulevant cette plaque de fer, je verrai peut-être cette mystérieuse matière. En fait, il faut la dévisser du coup. Putain, heureusement qu'on est hyper autonome. Moi, j'aurais jamais pensé. Hein. Franchement, heureusement que vous êtes là parce que tu restes tanké dans le vaisseau avec moi pendant des années. Sinon, quoi, tu ne sors jamais du truc, quoi. Qu'est-ce qu'on a dans la main là? Et là, on a cette espèce. Quelle étrange et douce matière. Elle flotte littéralement dans l'air. C'est con pour en faire. Ah, bah la cape avec. C'est pour la cape ça, voilà. Mais qu'est-ce qu'on a récupéré, hein? Eh ben, une espèce de matière qui flotte dans ah l'air. Ah, oui, d'accord, c'est ça pour donc la cape. On va En fait, on va aider la couturière qui va nous filer son gamin pour que Ruth elle rajeunisse. Voilà, Laurent Delahousse, il est d'accord avec nous. Nous aussi, on aime ce jeu là. Ouais, il est vraiment cool. Ouais. Papizza, il me fout la dalle avec son pseudo. Appelle-toi autrement, merde. Appelle-toi Chou de Bruxelles, on aura moins là. C'est vachement moins les crocs. Oui, merci Adela, je savais que t'allais dire ça. Pas de kebab, pas de tacos. Je vais prendre cette forme flottante, elle pourrait s'avérer importante. Putain, alors là c'est un beau cadeau, hein. Vas-y, j'espère qu'elle va faire péter elle. Hein. Quelle légèreté, c'est presque de la sorcellerie, mais on ne peut pas coudre avec, ceci dit. Elle nous fait chier celle-là. Ah, donc il faut peut-être le mixer avec autre chose. Peut-être qu'il faut le percer à du tissu. Attends, on a rencontré qui? Le mec qui faisait de la bière, la couturière. On n'a pas rencontré quelqu'un d'autre entre-temps, là? Il y a les semi-macabés, là. Ah, il y a les morts. Ah ouais. Laurent Delahousse, il est vraiment à fond, hein. Problème, solution. Oui, bah merci. Je veux voir le petit garçon inséminer leur... On en est là. Dégueulasse, mec. T'as pas envie de me voir inséminer les vaches, non? Moi, ça me... Non. Bon, ça va, ça passe. C'est pas... Vaches, on va pas... On a pas besoin de modérer la situation. Moi, j'aime bien ce que tu racontes, Laurent. C'est cool. On va faire ça. Moi, je vois pas l'écran. Ouais, c'est... Je suis pas sûre que ce soit l'issue du jeu, par contre. D'inséminer les vaches, peut-être pas. Ah, d'inséminer le petit garçon. On a pas joué au jeu qu'il faut pour Laurent. Il faut un truc un peu plus violent, je crois. Alors, si on essaie de foutre notre matière dans le feu, avec la boule de feu. Y a un endroit où c'est censé aller ce truc là? Bah non, mais c'est pour faire la cape! Clairement, il faut ce truc là doit être combiné avec quelque chose. Mais là, avec la boule de feu, non? On peut pas l'attraper ça. Ouais, mais vu qu'elle flotte dans l'air, est-ce qu'on peut pas juste jeter notre cape et je sais pas, ça fait un truc de ouf? Même en visant bien, utiliser ça sur la flamme n'est pas très malin. Oh, ça va, toi! Mais ça y est, maintenant qu'elle est vieille, elle est chiante. Alors, qu'est-ce qu'on avait ici? Ah, la boîte à néant? Eh ouais, mais on n'arrive pas, là, on arrive... Ah! Tu crois que si on met ça dedans... Ouais, je sais pas. Non, il veut toujours pas qu'on touche la boîte à néant. Et ça, c'est quoi?
Concentrateur dimensionnel. Attends, un quoi? Un concentrateur dimensionnel, on a cassé. Eh ben oui! Cet outil, mais vous ne pas le toucher, le mécanicien risque de bien se moquer, mais on s'en fout qu'il se moque. Bah non, du coup, si ça marche pas... Si on découpe à la scie. On peut pas toucher à ça non plus. Je me sens bête, cette idée n'a ni queue ni tête. Moi, ce qui me rend dingue, c'est ce câble. Un câble comme ça, vient quelque part, forcément. Bah non, elle veut pas y aller. Non, non, elle veut pas. Et lui, on peut pas lui donner ça, non, ça. On va lui reposer la question, mais je crois que le dialogue n'a pas beaucoup changé, je crois. Préparation, overslide, direction, la barre est tout prêt. La boisson que tu m'as apportée. Ok. Peut-être que je lui donne ça et peut-être commenter. J'ai pas besoin de ça, dit-il. Calme, mais un peu froid. Je pense qu'il faut pas. Faut, on aurait dû faire son chimiste. Partir c'est, d'ici. Ça paraît évident que le chimiste. Ah, qu'il aurait pu nous faire faire un truc avec la matière spéciale, là. C'est quoi ça? Ouais. Et puis lui, il avait un problème de levure. Le Rondelousse, non, on a essayé la gauche de la salle des vieux. Il n'y a pas moyen d'aller plus loin dans la salle des vieux vers la gauche. Il y a le truc qui fait planer dans les airs, peut-être que si on combine ça. Et oui. Peut-être passer à l'étage du dessus, j'en sais rien. Ah putain, alors toi, t'as pas que des cheveux. Qui? Mais qui ça? Rondelousse. Ah j'avais pas. Non, mais je croyais que tu parlais. Non, j'étais là, bah ils ont tous des cheveux. Non, mais attends, c'est le Rondelousse qui a des cheveux chelous ou c'est. Il est toujours très bien coiffé, le Rondelousse. Mais il a les implants d'extrême. Ça va, je prépare ma bière. Oui, je crois. Ouais, bah alors venez, on essaye de monter par là-bas. Et vous voulez pas qu'on lui file le truc blanc? Non, c'est de la Villardère qui a des cheveux n'importe quoi. Non, je sais plus quel des deux a les cheveux. Non, c'est de la housse qui a une. De toute façon, ils ont tous des coupes de merde. Enfin, je veux dire, concrètement. C'est clair que, à part Sébastien Follin, lui c'est le meilleur. Alors non, c'est le dernier. Eh non, toujours pas. Eh non. Et si on donne le truc à un mort de, cette espèce de plaque là, ça. Hein? Si on donne le truc à un mort, je sais pas, hein. Ça risque de les déranger, les passants ont besoin de se remettre. Et si on rappuie sur le bouton là, qu'est-ce qui. Et si on met le drap sur le lit vide? Ouais, c'est plein de trucs. Casse-toi, Pépé. Tu reprends la bière? Évitons ça, je ne le sens pas. Et alors, si on reprend le verre? Attends, parce que concrètement, la nana, elle a dit que la matière était intéressante, mais qu'elle pouvait pas la coudre, c'est ça? Ouais. Ah, il est revenu, le mec. D'accord. Voir, c'est pas possible. Donc, comment... Et avec l'autre machine, on peut pas faire un truc? Et avec le petit garçon? Je crois qu'on peut le refaire pop. Si on le donne au petit garçon. Bah ouais, mais je sais pas, il est où? Petit garçon! Bah attends, moi je pense qu'il faut reparler à elle. S'il a. Alors. Même à tissu. La plaque de tir comme une plume, ok. Voilà. Donc ça, je lui donne ça, elle me dit qu'elle veut pas le tisser. Hein? Je vais prendre c'est cette ce qu'elle a dit tout à l'heure. Elle pourrait s'avérer importante. Et si tu lui donnes là? Donc tu vois, il y a carrément un truc qui ça zoome, ça insiste. Quelle légèreté, c'est presque de la sorcellerie, mais on ne peut pas coudre avec, ceci dit. Donc, on peut pas coudre avec. Pourquoi? C'est trop fragile, sans doute. Je suis perplexe. J'ai une belle coupe coiffée décoiffée. Lord de la housse nous explique sa coupe. Je sais pas quoi faire. Bah ouais, moi non plus. Comment on s'organise, là? Mais on va trouver. Dans cette salle, on n'a rien fait. Peut-être que si on fout le truc léger sur l'engrenage... Je sais pas. Et dans la boîte de transport, on a pas un truc à récupérer là? Non, ah, et si on a essayé de la percer ou je sais pas. Une caisse de transport qui sert encore. Je ne peux pas les déverrouiller. Même avec la perceuse, tu viens d'essayer. Alors, donc là, ça sert à rien. Des souvenirs de mère à la ferme me reviennent. Avant, nous avions des moutons. Elles filaient leur laine. C'est ça. Voilà. C'est ça. Putain, bien ouais. Voilà. Ma foi, ça s'est bien passé, dis-je en regardant le fil tout léger. La forme s'est transformée en un fil si fin, si je touche la bobine, je risque des coupures aux mains. Merde, il faut éteindre cette chose maintenant. Tu sais que si j'essaie d'attraper... C'est un outil assez incroyable. Ah oui. La forme éthérée s'est enroulée en une pelote d'une incroyable légèreté. Bah alors de là où c'était pas si loin de la vérité. Bon, hein. Donc maintenant tu fis... Il disait quoi? Bon, on va le filer à la mémé. Bah ouais, voilà, on va. Bah, il faut le filer à la couturière maintenant. On va aller voir la vieille. Mais tout est écrit en rime. Oui, tout à fait, Bulle, tout est écrit en rime. C'est vachement joli, hein. Ah ouais, c'est trop cool. Le soin est remarquable. C'est très bien lu. Aussi. Oh, on s'applique. En plus, c'est un Norvégien, ça veut dire qu'il a quand même dû se casser le cul à travers son truc en anglais et à faire rimer en anglais. Clair.
Et hop, peut-être qu'il était bilingue. Ah, on doit se retaper le... Oui. On doit se retaper le truc. Tac, tac. Ah ouais, mais en étant parfaitement bilingue, c'est quand même chaud de faire des rimes en anglais. Waouh. Alors là, c'est... Bon sang, quel prodige! Du fil qui flotte, qui voltige! Avec ça, la cape va flotter, dit-elle, tremblante, la gorge nouée. J'adore faire la voix de mamie, en fait. Ah bah, je vais pouvoir faire la voix de l'autre con. Il faut réparer cet ascenseur avant que la reine nous voie, sinon c'est sûr, elle nous punira! Putain. Amrita, n'empêche... Elle était censée être jeune. Pardon, la cape est finie, votre majesté. Maintenant, elle est jeune. Tu l'as faite seule, sans te faire aider? Oui, ma reine, ce ne fut pas tâche aisée de travailler un tissu aussi délicat et léger. Bien, pour commencer, cette couleur m'ennuie. Quant à la taille, pourquoi faire si petit? Ne suis-je donc pas une souveraine soucieuse de votre bien-être, qui vous sert, vous protège et garde l'herbe verte? Je ne mérite pas d'être bien habillée à temps pour ces importantes festivités? Bien sûr! C'est hyper chaud. Chaque jour, je me donne corps et âme pour que notre troupeau échappe à un funeste drame. Pourquoi? Je te confie une simple mission et tu bâcles cela comme une souillon? Oh là, c'est... La place. Tu n'es clairement pas dévouée. Je crois que tu vas me donner quelques années. Pitié! Allez! Oh là là, la connasse. Ah ouais. Ah non, mais j'allais dire, t'es là, t'es derrière, toi. Attends, gamin, il y a un autre moyen! Écoute, j'ai un plan. Si tu veux arrêter cette folie, tu dois devenir grand. Oh la ah, ouais, c'est clair, bien allez, joué. Allez. Hey, je t'aiderai si tu aides ma mère. Dis-moi juste ce que je dois faire. Vois-tu, le temps nous est compté. Ton adolescence, nous allons donc la passer. Comment? Hein? Pardon, excusez-moi. Pourquoi l'adolescence? Que... Bah parce qu'il va, il va lui filer quelques années. Bah oui. Tu es certain d'être prêt pour ça? Rien dans mon enfance ne me manquera. Qu'est-ce que tu fais bien la voix de l'enfant, LP? Ouais, ah, je suis un garçon. Un frisson me parcourt de la tête aux pieds. Voici le cercle qui vole les années. Ah. Alors, je ne sais pas trop comment ça marche, je dois avouer. Essaie de te mettre de l'autre côté. Alors, comment allumer ce machin? Peut-être en comptant 3, 2, 1. Pas trop, pas trop, pas trop! Comment elle est bon à grimper là-haut? Alors, qu'est-ce que ça fait d'être grand? Alim répond en grognant. Je me sens différent, moins frais qu'avant. Depuis... vraiment les choses autrement. Mec, entre temps, il a fait le Vietnam, quoi. Non, il a surtout fumé un pétard, ouais. Le sol me semble bien plus bas à présent. Ma voix est plus grave, évidemment. Grandir si vite est dur pour le corps et l'esprit. Je reviendrai plus tard. En attendant, repose-toi ici. Il y a quelqu'un de nouveau là dans le lit. J'avoue. C'est pas Ah oui, Amrita? Mère, mais quel est ce maléfice? C'est moi, Alim, ton fils. Oh non, c'est la couturière. J'entends Alim sangloter doucement. Un homme ne peut rester insensible au sort de sa maman. Mes problèmes ne sont rien comparés à ceux et à ces gens et à leur peine. Ma détermination est encore plus forte. Je dois renverser la reine. Grosse bagarre! Le gamin, c'est Cat Stevens! Je vais respecter leur intimité, il est trop tôt pour les déranger! On ne peut plus, je me casse! Oh putain, il s'est fait des watts, lui! Est-ce que tout va bien? Dis-je à l'homme plutôt mal en point! Ah, ma chère Ruth, merci, mais à vrai dire, c'est une tragédie. Je préparais ma bière pour la fête d'avenir, quand soudain la pression est montée sans prévenir. Les machines ont alors explosé. Elles sont vieilles, leurs tuyaux doivent être rouillés. Tout est gâché. Jamais la reine ne saura me pardonner. C'est pas toi, c'est moi, pardon. Ça ne peut plus durer. Il faut qu'on intervienne. Il faut juste trouver comment arrêter la reine. Vole son sceptre, c'est lui qui la rend si forte. Mais ne te fais pas prendre, sinon tu es morte. Allez.
Laissez-moi vous aider à vous relever. Ensuite, il y a une reine dont je dois m'occuper. Oh, je suis bien où je suis. Va donc chercher le sceptre et évite les ennuis. Ok. Voilà. Allez, ciao le vieux. C'était le père Fouras. Bah oui, je fais la voix de vieux, je fais genre instantanément, voilà. Ma père Fouras un peu auvergnat quand même. Bon, maintenant on peut faire la bagarre. Alors, hop, on approche quand même assez vite de la fin, il est bien... Ah non, il faut qu'on vole le sceptre. Oui, il sort. Ah, il y a un nouveau hop, truc là. De l'huile. Cette... Arrête de me faire lubrifier les trucs qui se mettent à grincer. Ah, grincer... Oh, tu as retrouvé des zones années. Oh, route comme je suis soulagé. Parler de la burette. Burette. Votre burette, je peux vous l'emprunter? Dis-je au mécano fatigué. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Elle est bientôt vide, je suis embêté. J'en ai besoin pour huiler et réparer. Au revoir. Ah bah non. Alors les réparations avancent bien? Votre travail touche à sa fin? Ma foi, le moteur est presque réparé. Mais lors de sa dernière sortie, le capot s'est détaché. Ils me font un nouveau capot à l'Oversled. Pas de soucis, vous pouvez compter sur mon aide. Bon. Comment on va faire? Capot égale huile, hein, on est d'accord. Hein. Parce que il y avait un moment où on devait huiler quelque chose, non? Y a pas... Moi je pense qu'on pourrait prendre ça et découper un truc avec. Découper un capot. Ah non, il veut toujours pas qu'on y touche. La boîte à néant? Non, pas du tout. Non. Il veut pas savoir. Alors faut qu'on parte à côté de la salle de repos là. Attends, pourquoi le. Oh, attends, mais rentre! Pars! Okay. Mais va-t'en! Les caisses, c'est mort. Hop. Les caisses, on était censé essayer de les ouvrir avec quelque chose. Avec la perceuse, non, hein. On a essayé déjà. Ah, c'est quoi ça? C'est l'aiguille qu'Anissa utilise pour travailler. Hélas, là où elle est partie, elle ne va pas lui manquer. Donc on a une aiguille maintenant. Une aiguille. Pardon, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse là? Ah oui, qu'on essaie de voler le sceptre, ouais. Machin. Mais il y avait quelque chose qu'on devait huiler. Je pique ma peau. Aïe, les aiguilles font mal, je les trouvaille. Bah, déjà, ouais, c'est pas avec une aiguille qu'on fabrique du. Fragile, j'ai le fil à couper le beurre. Pardon. Et là, hop. Voilà. Huiler les tuyaux du brasseur. Ou la porte, il y avait des questions de porte à huiler, je crois. Oh, attendez, il y a plein de choses ici à faire. Cet endroit est vraiment fascinant. Des lumières qui vibrent, des escaliers volants. On dirait un monument commémoratif, sacré et pieux. Une statue à tête de Milbis trône au milieu. Je ne comprends pas les croyances de ces gens. Ce sanctuaire a des feuilles et des fleurs comme ornement. Il y a beaucoup d'endroits à visiter ici. Hein. Oh putain, on peut se faire un bain bouillonnant. Oh grave. Venez, on s'arrête. Bonjour. Là. Bonjour. Bienvenue dans le cœur du Vada. Tu es route, n'est-ce pas? Je bégaye, oui. Comment vous savez? Sous une capuche, son visage reste caché. Je suis le bibliothécaire. Le savoir est ma mission. Depuis bien longtemps, nous prions et t'attendons. Mais quel chiant. Je jette un coup d'œil à la pièce, l'air de rien. C'est une bibliothèque? Où sont les bouquins? Sur ces murs, tout notre savoir est gravé. Je cherche les réponses pour les délivrer. Chaque centimètre de cette pièce est une information. Mon travail est de trouver... Alors, juste traduction, excuse-moi. Pas facile de bien comprendre tous ces propos. Et quelle est cette sorte de statue faite d'eau? Je vais éviter les longues explications. L'oracle, c'est ainsi que nous l'appelons. Les réponses sont souvent simples et pures, mais poser les bonnes questions, ça, c'est plus dur. L'oracle nous aide déjà à une chose, réfléchir aux questions que l'on se pose. C'est effectivement comme ça que ça fonctionne en général. Vous dites que vous m'avez longtemps attendu, mais je ne suis personne, juste une inconnue. Ah, ne sous-estime pas qui tu es et ton pouvoir. Chaque être compte, tu le comprendras tôt ou tard. Un petit grain de sable peut enrayer toute une machine, d'une simple grappe peut naître un grand millésime. Ok, grand-mère feuillage. Tu es si jeune, tu es l'avenir, il y a tant de choses que tu peux accomplir. C'est, j'ai fait que des voix de vieille ce soir. Bah, en même temps, c'est normal, ça, ils sont tous inspirés par le... Voilà. Et surtout ce... Si tu as une question à poser, l'oracle peut sans doute t'éclairer. Alors parlons à la forme phallique. Venez, on dit qu'on n'a pas de questions. Non, on peut... Peut-être que c'est une soluce et qu'il faut l'avoir que quand on est en galère. Ah ouais? Ouais, moi je pense que c'est... Alors on teste d'abord les autres pièces. Est-ce qu'on est pas un peu en galère?
Bah, pas encore, on n'a pas fait toutes les pièces. Ce n'est plus le moment de se poser des questions, l'heure est venue pour un peu d'action. On viendra la voir si vous avez besoin. Moi, je me sens bien les choses comme ça, dans le genre de vidéo, ça fait ça. Donc ça, c'est la salle de Laura qu'on s'en rappelle, d'accord? Ok, alors à côté... Attends, est-ce que je peux choper une offrande à... Ah, non. Est-ce que je peux voler de la bouffe? Bah oui. Attends, mais c'est sans fin ce truc là. À travers la vitre, c'est la reine qu'on peut distinguer. Soyez prudents pour ne pas se faire tuer. Ok. Donc la reine, elle est là. On reviendra ici quand on aura un gros bazooka. On essaie de pécho le truc à bouffer là. Je crois qu'elle veut pas. Elle veut pas voler. Un morceau de fruit est posé là pour y peut-être une offrande ou bien juste un oubli. Bah si, elle le prend. Bah, elle le prend cette crevarde. Et voilà. On a donc à nouveau une aubergine. Ça recommence. Ben ça... Ouais, hein. Ça n'arrête jamais. Voilà, il y a un fil rouge qui... Ah bah tiens. Et voilà. Le cuistot. De la le bouffe. Qui veut faire le cuistot? Nourriture. Le chef a l'air plutôt en colère. Quel plat êtes-vous en train de faire? Ragout végétalien pour la célébration. Mais vraiment, quelle frustration. On a plus d'épices depuis bien longtemps. Tout semble si fade à Plaza. Mais je n'ai que ces racines insipides pour cuisiner. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour des fruits bien sucrés? Si la laine déçue par son repas, c'est moi qui suis la cuit, tu vois. C'est avec son quel pic que je viens de faire. Je... Auvergnat. Je sais pas, c'est... Moi, breton, je crois. J'ai adoré. C'est super louche, en tout cas. Ce couteau a l'air drôlement bien aiguisé. En auriez-vous un autre que je puisse vous emprunter? Ah, désolé, mademoiselle, j'en ai besoin pour couper sa racine et d'autres le machin. On lui file notre poire. Mais si tu m'amènes un ingrédient goûteux et frais, je pense que je te le plaîtonnais. Allez, ah, poire, boum. Goûteux et frais. Allez, où la poire? Eh ben alors, la poire. Et le mec, ça fait 10 ans qu'il a rien vu. Et non, aucune réaction. Je crois qu'il est trop fort pour ça. T'es sûr que c'est... Et si on rajeunissait notre poire avec la machine? Oui, mais dans ce cas-là, il faut un truc jeune. L'odeur du ragoût est fade sans intérêt, il faudrait y ajouter un ingrédient frais et parfumé. Eh ben, ah, la poire! On met notre poire, boum! Non, mais la poire est dégueulasse, il va falloir rajeunir la poire. Je vais demander au chef avant de toucher au ragoût ce qu'il est en train de préparer. C'est pas une bonne idée. Ouais. On veut le couteau. Je ne vais pas servir la reine des fruits pourris. Elle me tout laisse en préavis. Préavis. C'est chiant à rouler les R, hein, t'as vu? Déjà, non seulement j'arrive pas à le faire, mais en plus t'as capté que je fais des R en L, des R roulés, des R tout court. Donc y'a aucune cohérence dans mon accent. Je suis pourri en accent pourri. Et si on va au fond là? Pourra pas m'accuser de faire un accent raciste parce que de toute façon je peux imiter personne de particulier. Donc du coup, ou alors je suis ragi pour toute la planète. Ça, c'est une possibilité. Ah d'accord, ok. Alors. Le sol est jonché de décorations commandées par la reine pour la célébration. Bah, où pourront parler à ces demoiselles? Bonjour. Tu fais les demoiselles alors, tu veux que je fasse la voix de mamie? Bonjour mesdames, comment vous allez? Je m'appelle Ruth, enchantée. Madame, elle t'a dit, t'entends ça, Titi? Tu mérites sûrement pas qu'on t'appelle ainsi. Ah, allez, c'est les mégères. Tu ne vaux pas mieux, Ruth, ça va? Et le mécanicien, je n'ai pas rêvé quand il s'est enfui de ta chambre, nu et paniqué. Eh ben, il sent pas ces trucs. même les alors, vous êtes en charge des décorations, elles ont l'air magnifiques, félicitations. C'est un secret, mais avec vous, je vais être honnête, on trempe les guirlandes dans les toilettes. Putain, ils s'en passent des trucs. Voyez-vous, la reine, on ne l'aime pas. On est instable et son. Et use de. Elle est instable et use de son sceptre, tout va. Pars-toi. Avant de ramener mes vaches chez moi, je vais l'arrêter et mettre un terme à tout ça. À la bonne heure, j'aimerais avoir ton âge. Ah, quand mes seins n'étaient pas encore tombés de 3 étages. Voilà, c'est vous ça. Ah ouais, clairement. Mais sérieusement, on te souhaite bonne chance. Dis à la reine qu'elle n'est qu'une stupide pintade pleine d'arrogance. C'est bon, vous avez trouvé dans le jeu. Ah, et on peut pas leur donner notre fil et notre aiguille, ça va. Breton pas les... congolais. Merci pour cette magnifique comparaison. Hop. Voilà, nous sommes de retour à l'endroit où tout a commencé. Ça va peut-être de la ventilation. Bah, pourquoi on est là? Bah, parce que c'est. On a pris la porte qui se trouve à côté, mais il n'y a rien de spécial ici. Et là-bas alors? Ah, attendez, là, la souris qu'on fait des siennes. Ah, oula. Un bouton! Ou c'est technique? Encore un de ces blocs de sel immense. Il pourrait servir pour un distillateur, je pense. Ah. Attends, tu peux répéter? Ça pourrait servir pour un distillateur, je pense. On va distiller quoi? La porte était fermée avant, elle est ouverte distiller maintenant. Distiller? Fruits pourris? Ouais, ah oui! Alcool? Putain, bien vu. Et ça. Et t'es vif, hein? J'ai vu la possibilité de picoler, j'ai instantanément. Je ne vais pas poser ça ici, ça peut aller ailleurs quand j'y réfléchis. Non, alors on fait de la sur la pancarte rouge,
on voit dessiner un cercle et une espèce de palier. De pilier. Quand la trappe n'est pas fermée, les bulles semblent s'arrêter. Attends, t'as mis la poire dedans du... Ah non. Non, elle a pas voulu. Pendant un instant, je reste hypnotisée. Il faut mettre la poire ailleurs. Bah regardez, il y a un tuyau qui se déverse à l'intérieur. Où est-ce qu'on peut mettre notre poire? Les engrenages tournent, mais pas trop vite, comme mon cerveau qui, devant une énigme, cogite. Allô, on a besoin d'aide! S'il vous plaît! La levure? Breton-congolais? Moulotte! C'est trop pour moi. Et puis ça ne servira pas, voilà. Donc c'est là-bas, ça résonne beaucoup. Quand sur le tuyau, on tape un coup. Je vais essayer de percer le tuyau. Ah ouais? Là où il y a quelques vis, la perceuse pourrait peut-être me rendre service. Ah, bien sûr. Oui, mais faut que je grimpe là-haut. Hein. Comment j'atteins cette hauteur? Pendant un instant, je me disais... Avec le bloc de sel? Encore un seul bloc de sel. Il pourrait servir pour un distillateur. Ah, et si impossible de percer cette pierre, de toute façon, du sel, je n'en ai que faire. Bon. Oh là là. Je regarde la Terre avec émerveillement, quelle planète magnifique, d'un bleu étincelant. Bon, moi, on sait qu'on... Ah, pardon, j'ai pas lu la suite, excusez-moi. Mais avant de rentrer, je dois secourir ce peuple meurtri qui vit en martyr. Ça, on est bien d'accord, mais... Mais comment? Oui, tout à fait, Laurent Delahousse. Essayez de faire une actualisation, mais en général, ça va prendre quelques secondes pour voir ce qui se passe. Ah ouais, il y a une latence de 20 secondes. Ah, ça doit être chiant, ça. Ouais, complètement. Ouais, c'est peut-être sa connexion qui est pas super. Depuis Ménerde, ça doit pas être la fête. LP, il dit que t'as une connexion de merde. Si on mettait la poire. Bah ouais. Pire, j'essaierai de dire la poire. Ah, bien vu. Mais oui, mais avec qui? Bah avec moi, hein, écoute. Quand un truc est posé ici... Ah non, alors il faut qu'on la mette de l'autre côté. Ah ouais. Non, la poire, faut qu'elle rajeunisse. Ah, mais oui. Faut trouver un truc qui peut... Je sais pas. Ça n'a pas besoin de vieillir. Eh ouais. Faut un truc trop frais. Le journal? Non? Non, il faut un truc trop frais. Je sais pas. T'es quelque chose. La reine pourra sa célébration, je suis au courant. On peut pas leur filer l'aiguille à elle, non? Vu qu'elles font les... Mais j'avoue. Ton inventaire nous est bien égal, eh ben, connasse. Sauf s'il y a un gamin dans le crunch. Ça serait trop cool, elle. C'est le meilleur. Ouais. Ça, c'était l'oracle. Est-ce qu'on doit retourner à l'oracle? On peut peut-être tenter, hein. Je prie. À travers la pièce dense des formes lumineuses, il y a une odeur d'embrun vraiment curieuse. Et si on clique sur un des petits carrés, enfin, vu que c'est censé être des livres, des... Ah, pas hier, je crois pas. On va demander à l'oracle, ce qu'il en pense. En regardant les reflets de l'eau, je sens mes pensées s'alléger aussitôt. Comment sauver mes vaches que j'aime et les ramener à Calfledge, ma petite ferme? Non, tu l'as fait toi. Même les actions les plus héroïques ne semblent pouvoir empêcher une issue tragique. À travers... C'est là, on l'a déjà vu. À travers... Donc c'est même pas très... Attends, même les actions les plus héroïques... On peut pas lui reposer une question? Quelqu'un va mourir. Ouais, j'ai vu tout ça, je crois. Concrètement, il dit que malgré ce que tu vas faire... Ça va pas le finir. Il y aura quand même une issue tragique, quoi. Bon, lundi, c'est pas top. Et il n'y a pas une... On peut pas s'approcher là de l'espèce d'hôtel là qui est au milieu? Mais c'est la machine à rajeunir. Et vas-y, on peut pas mettre de la ciboulette du coup Bah j'ai envie, ouais. Ah bah oui. Tu vois, tu chopes la ciboulette. Nourriture. Il veut pas s'en saisir. Une assiette? Eh bah... Le ragoût? Non, donc justement, il faut alimenter le ragoût avec l'aubergine fraîche. Merde. Bon, on va trouver un autre truc, bougez pas. Et là, quand on s'approche du truc au milieu, là où on a pris la poire, ouais. Y a pas une plante à côté, ah, là on peut essayer de voir si on interagit avec. Ça, c'est, ça, c'est la reine. Ouais, on se casse. On a pas en fait, il faudrait mettre la reine à côté, quoi. Bah ouais, mais là, il y a une espèce de plante, là, genre. Si on prend la plante et qu'on la fait... On dirait un monument commémoratif, blabla... Tu peux rien, là. Non, on peut pas interagir avec la plante. C'est quoi déjà ici? L'oracle.
Ah oui, c'est des actes. Ah, et on peut pas se resservir du garçon? Oui, demande gentiment, ouais. Est-ce que tu veux pas, genre, un peu plus? Encore vivre un peu plus? Ah merde. Pour les déranger. Ce serait quand même un petit peu abusé. Et lui là? Est-ce que tout va bien? Dis-je à l'homme plutôt mal en point. Lu, ça. Oui, tragédie, bière. Nanan. Rouillé, gâché, intervienne. Tout à l'heure on me disait ouais du sel pour distiller, est-ce qu'on peut pas distiller dans le labo? Soit distiller sur l'appareil tuyau, ouais, mais Attends, mais elle est où la poire là? Elle veut pas prendre de sel de toute façon, elle a rien pour le casser, elle veut pas en prendre maintenant. Nous on voulait arrêter. Là on a toujours nos boîtes là qu'on peut pas. Attends, je pense au plan. Ah. Ça c'est la machine à petit et puis Ou un labyrinthe avec plein d'intersections. En fait ça je comprends mais ça je comprends pas. Ah regardez, il y a la perceuse, ouais. Il y avait la perceuse. Ouais mais comment on va à cet endroit là, c'est impossible. Supposons qu'on ait pris l'ascenseur. Ben ça la perceuse, ça c'est l'endroit où on est arrivé. Vous savez il y a une déventilation. Mettons ça c'est la chambre de la reine. Regardez, mettons ça c'est la chambre de la reine. Ça à cet endroit là c'est le toit et la ventilo. Ouais. On va pas y aller parce que il faut aller passer par une trappe, on est tombé par le plafond. Ça c'est par là où on descend. Ah je pense que j'ai Là où il y a la petite perceuse, c'est là où on est arrivé. Vous savez, il y a une espèce de plaque. Bah ouais, c'est bizarre, ah tiens, il y a des vibrations, il y a une ventilation, machin, truc. Donc peut-être qu'on. Je suis perdu. Peut-être qu'on enlève les vis et qu'on fout la poire dedans et qu'elle part dans le. Par là où on est arrivé. Oui. Ah, dans la pièce là. Vite. Là, mais déjà. Ça là. Les aiguilles font mal. Je voulais trouver à quoi sert une aiguille. Lui, il en a pas l'utilité. Ah, on va utiliser des rôtis, pas des bibis de rikiki. Ok, d'accord. Le cuistot, il a pas de l'huile. On lui met de l'huile dans la burette. Je sais pas ce qu'il veut. Non, le cuistot veut un fruit frais. Il veut un fruit frais, et clairement, l'aiguille n'en a rien à foutre. On va déjà checker les guirlandes. Je crois qu'on l'a déjà fait, mais on va rechecker. Checker les. Ah, trop bien, on retourne dans les petites vieilles. Chez moi comme ça là, tu vois. Ah oui. Donc les vieilles étaient. Les vieilles sont là-bas. Elles sont au fond. Exact. Attends, on peut pas grimper là-dessus? Si on peut. Ah. Et là on récupère nos vaches. Ces bêtes géantes m'émerveillent. Paisibles, la peau tannée, elles semblent vraiment vieilles. On les appelle les mille beasts, elles sont immenses. Leurs yeux doivent faire la taille de ma main, je pense. Ah là, le petit truc par terre, là, c'est quoi? Ça fait plaisir, après toutes ces péripéties, de les voir paître et se reposer ainsi. Ces fleurs jaunes sont loin d'être moches. Je prends une poignée et les glisse dans ma poche. Pour rajeunir le... Ouais. Là, l'autre vieux, je vais refaire la même voix que tout à l'heure. Je vous en prie, il doit y avoir une solution pour que vous sauviez mes vaches de cette malédiction. Hélas, mes mains sont liées. Amrita détient le pouvoir et ne peut être renversée. Et même en essayant, notre troupeau sacré sera toujours mourant. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet animal? Il a une corne cassée, il semble respirer mal. C'est Yogita, du troupeau, c'est la plus sauvage. La dernière fois, ça s'est mal passé dans la machine qui transfère l'âge. Elle est devenue furieuse, secouant sa tête et sa queue et sa tête, comme si elle ne voulait plus rajeunir, en fait. Depuis, on l'attache au sol pour la garder immobile. On lui donne de l'herbe du sommeil pour qu'elle soit docile. Ah, c'est de l'herbe du sommeil. Est-ce qu'on n'en prendrait pas un peu? Bah, c'est ce qu'on va te faire, hein. On en a pris, comme ça on pourrait endormir la reine et lui voler son sceptre. Ah, en le distillant. En le distillant dans. T'es machiavélique, hein, meuf. Attends, mais moi je suis une connasse, hein. Voilà, donc c'est clairement. Ce qu'on va faire. On peut s'approcher de ce trou. Non, je ne veux pas y aller plus près que ça. Cette eau est bien brouillée et ça sent pas mal le fumier. C'était le moment glamour.
Ah, et là, au bord, il y a une petite grenouille. On peut pas pêcher notre grenouille, là ? Ça, une grenouille. Ça ? Ouais. Oh, oh, oh. Ah, elle est tellement mignonne ! Vas-y, je fais la grenouille. Un son presque cataclysmique. La grenouille est bien plus rapide que moi. Quand je me baisse, elle s'enfuit déjà. Est-ce qu'on pourrait pas la pâter avec l'herbe ? Attends, petite grenouille, ne sois pas bête, je ne veux pas te mettre dans mon assiette. Mais... Oh. Ah ! Laïki qui est toujours aussi forte et futée à attraper la grenouille qui s'est mise à couiner. Et hop, on a une grenouille. Et voilà ! Oh, oh Laïki, bien joué, sur toi, je peux toujours compter. Elle est vraiment adorable, hein. Bon bah écoute, on a fait ce qu'il fallait faire ici, peut-être que la grenouille on pourrait lui faire faire un petit traitement de choc. Ouais. Ah, la faire vieillir. Écoute. La peau. Désolée de le dire, mais ça n'a pas besoin de vieillir. Ah bah voilà, et c'est avec les fleurs. Ah, c'est pas ce que ça dit. La grenouille avec Ristrident reste dans sa main, dans ma main bien calmement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire chier déjà avec une grenouille? Ah bah attends, Ça c'est le point le plus confus dans ce cercle, le temps diminue. On avait constaté, hein. Bon, ça, la pente s'est effondrée. Retourne là. Là, sur la droite. Pas en montant. Là-bas. Cette pièce ? Ouais, ici. Ah, tu crois que la grenouille va là ? Ça m'étonnerait, mais... Tous les plans, je dirais. C'est peut-être comme une théière en bien plus gros. L'eau va infuser et parfumer l'eau. L'herbe. L'herbe... Voilà, comme ça, on va la faire dormir, cette connasse. Voilà. La porte était fermée avant, nanani nanana. Une simple gorgée doit suffire pour endormir. Et ben voilà, il faudrait maintenant qu'on se chope un petit verre de ça, quoi. Ça résonne beaucoup. Il y a quelques vis. Ouais, on ne veut pas grimper, hein. Et pourquoi on donne pas la perceuse à la grenouille ? Non, je sais pas. Hop, elle s'en moque. On essaie des trucs. Elle en a que faire. C'est mais ça. Ah, et alors, attends, vas-y, l'autre, là, l'autre porte sur la droite. Et là, si on joue de la perceuse sur ça. Sur la droite, là. Ah, t'as raison, elle est bien vissée. Bien vu. Et en effet, c'est joli. Heureusement qu'on est manuel. Je prends la plaque de métal, elle n'est pas si lourde au final. Tiens, on pourrait réparer plein de trucs. Eh ouais. Il n'y a rien en bas, autant rester là. Ça, du coup, ça c'est le mec d'en bas qui en a besoin, celui qui est en train de réparer la bière. Célette, là, machin. Il avait besoin d'un truc pour lui amener. Ah oui. Attends, en plus, t'es altruiste en plus, hein. Ah ouais, mais attends, il va nous filer des trucs un peu, tout il va enfin nous laisser... Plus que l'altruisme, j'ai envie de te dire. Ah non, moi je suis pas altruiste, hein. Hop, on va aller s'occuper de ça immédiatement. On va trouver la potion qui fait pioncer, on a trouvé comment réparer le truc avec l'huile, je sais pas ce qu'on va faire exactement. Il reste encore la grenouille et la corde qui sont mystérieuses. L'huile, ça servira peut-être pour sortir du vaisseau, vu qu'on avait mis du beurre pour rentrer. Peut-être qu'il faut qu'on mette de l'huile pour sortir. Ouais, je sais pas. Tiens, t'es chaud là. Alors ? Voilà qui est bien beau. Bon, ça peut servir de capot. Encore quelques réglages, il sera paré à partir dans les airs. Il n'y a plus qu'à trouver un pilote téméraire. Ben, c'est nous ça. Maintenant que le capot est bien fixé, je crois qu'on peut dire que l'overslide est réparé. Et est-ce qu'elle pourrait pas le conduire du coup maintenant ? Burette d'huile. Alors les réparations avancent bien ? Votre travail touche à sa fin ? Grâce à ton capot, l'oversled est réparé. Maintenant il faut quelqu'un pour tester. Je t'avais dit. Je suis trop vieux, mes yeux sont fatigués. La dernière fois que je l'ai piloté, je suis tombé. Volontaire. Si, je sais faire du vélo, vous savez, alors je peux essayer. Parfait, allons-y sans tarder, j'ai hâte de savoir s'il peut voler. Donc le mec c'est un gros macho depuis le début, mais on lui dit qu'on peut convaincre, qu'on peut piloter ça, il dit d'accord. Allez, en route pour les hauteurs! J'espère que tu n'as pas trop peur! Je suis un peu nerveux, je dois avouer. J'ai peur d'abîmer votre engin tout juste réparé. Oh, tu verras, c'est assez simple à piloter. Il faut juste avoir un peu de doigté. Ok, j'ai compris. Allons-y!
Tu vois ce gros rocher en lévitation? Essaie de l'atteindre, mais fais attention! Accélérez, mais direct! T'es tourné, non? Ah. Pour bien tourner, ne pas trop forcer! On accélère. Pour bien tourner, ne pas trop forcer, ok. On va aller là-haut, hein, c'est ça? Ouais, direct. Vas-y en douceur pour prendre de la hauteur! Ah d'accord, il y a une suite logique. Oula, doucement, mon enfant! Pour bien tourner, il faut quoi? Accélérer? Je crois qu'il faut faire les choses une par une. Attends, c'est avec l'ombre qu'on se repère du coup. Bah. Tourne, tourne. Non, il faut accélérer. Ah ouais? Vas-y, en douceur pour prendre. Ok, il y a un ordre précis à respecter. Alors, donc, faut d'abord, premier temps, altitude. Ensuite, on tourne. Ensuite, on reprend l'altitude. On accélère. On tourne. On remet un coup de hauteur. Laisse Kat avoir un peu d'intimité, merde. Je suis presque là, dans une pipe. J'ai l'impression qu'on fait du surplace, moi, je... Comment fonctionne cette élite? Restez calme et mesuré pour... Son premier essai, tu es arrivé tout là-haut. Brut, tu es vraiment incroyable, chapeau. Alors, qu'est-ce... Oh, c'est beau, c'est un cerisier en fleurs. L'arbre qui a pris racine ici a les branches chargées de fruits. Ah, trop bien, on va pouvoir enfiler au cuisinier. Parfait, ça. L'arbre est tout tordu et a l'air très ancien, mais il est plein de vigueur et répand un doux parfum. Mais il n'y a plus qu'à y aller, alors. C'était un charmant détour, mais c'est maintenant l'heure du retour. LP pilote émérite. Cette balade est une réussite. Oh, j'ai parlé de... Oh merde, Ruth. Bon, elle est un peu tombée. Comment ça va? Quelle chute tu as faite? Ça va, juste un peu étourdi et mal à la tête. Mais la moto est dans quel état? Oh, ne t'en fais pas pour ça, ça m'occupera. Une machine cassée, ça se répare. Les gens, c'est une autre histoire. Grâce à ce petit test, j'ai compris ce qui clochait. Plus que quelques heures, il sera fin prêt. Donc là, on va prendre nos poires. Ouais, on va donner les fruits au cuistot. Et peut-être qu'il pourra nous filer de l'huile pour la burette. Attends, c'est... À la fois traîneau et moto, blabla. Essaye de rechoper la burette, si tu peux pas. Je vais lui redemander. Votre burette, je peux vous l'emprunter, dis-je au mécano fatigué. Elle est bientôt vide, je suis embêté. J'en ai besoin pour huile et réparer. Attends, il faut pas... Ah non, il faut qu'il répare la dernière fois le truc, là, et puis après, on pourra enfin récupérer. Écoutez, on a d'autres éléments à combiner, n'est-ce pas? On peut déjà s'en occuper. Alors, la cuisine. Ah, mais pas cher. Je suis un peu mystifié par la grenouille. La grenouille, elle va pas nous servir à ouvrir les trucs. Je suis pas totalement sûr, mais ce fruit n'a pas vraiment l'air mûr. On va le faire mûrir. On sait comment. Ah, d'accord. Hey. Ah oui,
c'est bien. Tu as les visées un peu mieux. Quand même. Ah, c'est bon. Parfait, ça. La machine semble fonctionner sans souci, même avec toutes ces petites choses. Ah, c'est plus vite que je pensais. Bon. Alors, on va filer ça au cristaux. Le fruit était bon pour la potagne et est redevenu une graine toute belle. Les fruits ont l'air mûrs et appétissants. Ils doivent être bien sucrés et nourrissants. La graine, ça se plante. Les fruits. Ouais. Elles sont là, c'est génie. La cuisine, c'était là ou là? C'était là. Peut-être. Ouais. C'était là. Ça, c'est la salle de la reine. Nous y voilà. Hop là, pour mettre ces légumes là où il faut. Comment ça, vite on se lâche? Ah bah non, il faut lui donner à lui. Waouh, oh, des fruits. Les fruits à bromure. Quelle drôle délicieuse. Je vais vous laisser la voix qui devait lui faire. Voilà qui devrait plaire à notre reine si vicieuse. Tiens, prends mon couteau pendant que je vais les préparer. Merci beaucoup, ma vie est sauvée. J'emmerde. Ma vie est sauvée. Voilà un magnifique couteau de cuisine. Avec, on doit pouvoir faire des tranches bien fines. Des tranches de quoi? Des tranches de grenouille. Ah non, arrête, on va tuer la grenouille. Je devais demander au chef avant de préparer, ouais, tu parles. Bon, ok. Il n'y a pas d'huile là, il n'y a rien de tout grêle, ça. Donc là, on a un couteau. On a un couteau. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en branler de ce couteau? On va planter les vieilles. Je les aime pas. Bah, on va planter la graine. Ah non, on l'a utilisé la graine du coup, c'est ça? Non, on l'a. Non, dans quoi on la plante la graine? Donnez tout ce que vous avez, portez. Ton inventaire nous est bien égal, sauf s'il y a un gars membré comme un cheval. Oh, qu'elles sont lourdes. Hop. Je vous cache pas qu'à moins qu'on ait une idée extraordinaire, tous ensemble, on va probablement interrompre la session là. Oh. Mais recommence bientôt. Ah bon, on recommence bientôt, ça y en a pas de soucis, mais si Ah, vous... mais ça me frustre de pas. Et pas... moi aussi, mais. Moi aussi, mais ça me frustre quand même. Ouais, mais est-ce que tu veux qu'on aille planter la graine, nous? Je sais pas. Et le couteau, à quoi il va servir? Tu crois, peut-être qu'on pourrait demander à l'autre blaireau, le papy doit s'y connaître un minimum en. Pour tout. Je sais pas, en jardinage, j'allais dire. Non, il dit la même chose que tout à l'heure. Qui est-ce qu'on n'a pas trop. L'oracle? Tu crois qu'on peut leur. Non, il dit toujours la même chose, je crois, non? On va essayer, mais. Je le crois un tout petit peu répétitif. Malgré que les actions héroïques n'empêchent pas une issue tragique. Demain, on va parler comme ça au travail. Oh mon dieu! On a. Oh! Un air! L'eau de l'oracle! On a fait n'importe quoi! Putain, on a fait l'oracle! Quelque chose a changé! Dit le bibliothécaire étonné. Si tu as une question à poser, l'oracle peut sans doute t'éclairer. L'oracle défoncé. Du coup, maintenant il est chaud. Ah, l'oracle est fonce-car, quoi. En regardant les reflets de l'eau, je sens mes pensées s'alléger aussitôt. Pareil. Je me demande peut-être à tort, y a-t-il une vie après la mort? Putain, tu peux vraiment faire comme question. La réponse ne peut tenir en un mot, ce n'est ni vrai, ni faux. Putain. Oh. Ah, et si on allait mettre la graine dans le... La grenouille. Dans le cul de la sorcière. Ne fais pas ça, tu vas la contaminer. Dit le bibliothécaire légèrement agacé, il nous entend. Ok. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Je suis un peu perplexe. La pièce avec le tillateur, on peut pas. Le couteau sert à rien, manifestement. Bah, peut-être pour enlever les vis, mais bon, vu qu'on a la perceuse, normalement. La graine, je sais pas du tout où la placer, dans quelle machine. Peut-être qu'on pourrait casser une machine avec la graine, mais laquelle machine serait. Peut-être celle du dorbe avec la flamme, mais la grenouille, après on en fait quoi, je sais pas. La pièce où. Ah non, puisque ouais, la pièce où on a fait infuser l'herbe du sommeil, du coup, donc on a fait un truc dedans. Chico, là, il fait. On peut pas le récupérer. Oh, ah, et est-ce que la grenouille, là, elle réveille pas les morts? Est-ce que finalement ce serait pas le prince charmant de Ruth? Non,
clairement, clairement, c'est pas... Même lui, le papy, là, il s'en fout des grenouilles ou des c'est quoi que ce soit. Hein. Bah, voilà. Si on a réussi à la prendre, c'était bien pour quelque chose, hein. Ouais, mais c'est pas avec lui que ça interagit. Alors, attendez. Le couteau, c'était pour couper des tranches bien fines. Ouais. Et là, on peut pas essayer d'ouvrir les cartons avec le couteau. Genre... Bah, attends, on a une perceuse. Non, les caisses sont fermées, elle ne peut pas les débrouiller. Et avec la grenouille La meuf qui espère pour... Et si on met la graine dans le feu? Je sais pas, faut tout essayer, hein. Ouais, non mais clairement. Ouais. Je vais vous laisser cette flamme en feu, hein, parce que je pense pour de vrai, la turbine bien huilée, encore et toujours, sans émettre le moindre son aux alentours. La turbine bien huilée. Ah, et est-ce qu'on mettrait pas la grenouille à l'endroit où on a retiré la plaque? Parce qu'il disait, ah, il y a des vibrations, machin, et vu qu'apparemment quand elle fait quand elle coasse, ça fait un cataclysme, est-ce que ça va pas faire un... Non, regardez. Il a fini les réparations. Non, il est encore bon. Mais putain, mais il faut qu'on fasse autre chose avant de la récupérer, la burette d'huile, je pense. Et attends, re-regarde sur le plan. Je vais remettre le grenouille dans le... Je ne vais même pas essayer, juste espérer. Regardons de nouveau là-dessus. Si tu arrives à faire du sens, à trouver du sens. Alors attends, il y a déjà... donc la perceuse, on l'a fait. Nanana, ça c'était ça. Et le truc en bas. Pardon, ça s'est enlevé. Le petit truc en bas là, c'est quoi? En bas à gauche? En bas à droite. Non, c'est la machine avec la flamme. Ouais, c'est là où on a fait la boulette de laine tout à l'heure. Ok. C'est chelou, hein. Putain, on sèche. Non, mais attends, il faut qu'on... Oh, voilà, il l'a bien affûté. Tu as bien fait de la récupérer. Bah super, et cool, alors, mec. Dites-moi plus, monsieur. Putain, il s'en bat les couilles, je veux dire échange, peut-être, non? Essaie de lui filer la grenouille. Non, il veut pas. Moi, je dis qu'on récupère la spatule en bois. Vie, c'est un point en technologie, pas en crapaud ou en biologie. La graine non plus. Ça n'a pas marché, il faut trouver. Ah, mais j'ai pas fait tout de la graine à l'autre con là. Non, il avait réagi. Le mec, le fermier, le vieux avec les vaches. Ben, je crois que tu pouvais pas interagir avec, non? C'est grâce. J'ai une idée. Ah ouais? Allez, petite grenouille, assieds-toi donc ici, tu seras bien là, c'est promis. Hé! Mais pourquoi faire? La grenouille a pris ses ailes, elle est bien mignonnette. Mais elle ne fait aucun son, elle reste muette. Ah, il faut la piquer! Avec l'aiguille? Faut la piquer avec l'aiguille. La pauvre. Pique! Cette Mickey Grasse va être vite être graissée, ma burette à huile devrait bien m'aider. Eh ben enfin. Bientôt plus rien dedans, dit-il en soupirant. Et ben voilà. D'accord, et du coup ça nous a changé. Qu'est-ce qui se passe, là? La turbine bien huilée, encore et toujours sans émettre. Attends, parce que l'effet recherché en fait c'est quoi? C'est éteindre la flamme là, c'est ça? Non. Ce vilain grincement doit vite cesser ou quelque chose risque de casser. Et voilà, dedans il n'y a plus d'huile. Vite, cette burette, c'est utile. Bon alors, on la prend. Adieu petite grenouille, je te dois un grand merci et des excuses pour cette piqûre. On veut pousser ses cris. On récupère ça. Ah, on récupère ça. Qui peut envoyer du liquide par petite giclée. Ah, pour la tisane soporifique, oui, là. Oui, pour la vieille. Pour la vieille. Enfin, je veux dire pour Amrita, quoi. Pour la vieille crevure. C'est pas mal, mais on a toujours pas utilisé au couteau. Il y a la graine. Peut-être qu'il faut qu'on la saigne, hein, à la fin. Bah, peut-être que la graine, en fait, c'est pour planter un arbre magique quand on est retour à la maison. Mais t'es trop mignonne. Ouais, moi, je suis trop poétique. Bon, lui, il est toujours en train de copuler avec sa mère, c'est quand même super inquiétant. La grenouille, mais putain, ça n'a aucun sens. On est bien d'accord. Alors, on est rentré dans ce genre de jeu-là. C'est pas ta pizza qui nous écrit? Non, c'est Laurent de la Housse. Ah, Laurent de la pizza, sans déconner. Quelle heure il est là? Après ce stream, je vais aller m'en commander une là. La bouffer tout seul! Tout seul, ma pizza, tout seul devant la télévision. Bon, alors. Ah, tu le finis pas sans nous, hein, celui-là? Oh, non, mais vous inquiétez pas, je ne vais pas jouer sans vous. Qu'est-ce qu'on voulait exécuter comme plan?
On a dit qu'il fallait aller filer la graine. Tu voulais filer la graine à quelqu'un, t'avais pas essayé? Bah, je sais plus si j'ai essayé, oui, au fermier là. Attends, et qu'est-ce qu'on fait avec la burette là? Il faut carrément la remplir de liquide, la burette. Mais pour alors, la remplir. Est-ce qu'on irait pas? Eh non, c'est dans la pièce. Et l'espèce d'eau boueuse là, machin, est-ce qu'on peut pas en mettre dans la burette? Va savoir pourquoi, mais ça peut. Ce qu'on va découvrir. Alors. Non merci, ça va, je n'ai besoin de rien. Nanana. Ok, pas trop intéressant. J'ai eu la burette. Cette eau qu'on a trop debout, ça risquerait de boucher la burette à son ombre. Ok. C'est pas ça qu'on doit remplir avec la burette. Bah, c'est l'oracle, hein, ça peut être marrant. Pour moi, c'est la source d'eau la plus intéressante. Ouais, bah ouais. Ah, et là, on remplit. Pour remplir la burette avec l'oracle. Ouais, on va mettre de l'oracle dans notre burette. Plus vu qu'il est foncedé, c'est. Non mais on finit le jeu là, y a pas moyen. Bah écoute Laurent Delahousse, commande-moi une pizza. Non bah moi je... Tu sais, on dirait pas Laurent Delahousse, mais on travaille nous aussi demain. J'avais pas le droit de tremper ma burette dans l'oracle là. J'assume complètement d'avoir filé. Et mademoiselle de Ré, pas le droit de la lore. Et si on retourne dans le truc de la... Venez, on retourne dans l'oracle. Là où il est censé y avoir la mauvaise là. Quoi? Ah. Dans la chambre de la Ambretta? Ouais, ouais. Avec le couteau, là, on pousse la porte, on la plante. Voilà. Non, mais on finit le jeu. La porte. Non, mais il va arrêter de nous donner des ordres. En mettant tout mon cœur. Ok, non, d'accord. On va pas y aller comme alors, ça. Alors, venez, on tire et on retourne là où il y a le truc qui se distille, voir si on peut pas remplir notre. Tu veux dire là? Ou la soupe, sinon la soupe elle aurait être prête. Ah, et qu'est-ce qu'on fait dans la soupe? Tu mets la graine? Le mec a vraiment faim, quoi. Il... C'est bon. Je vais demander au chef avant de toucher. Oh, on peut toujours pas toucher. Parti faire quoi, le chef là? On peut pas récupérer. Et on peut pas récupérer les herbes? Et non, ça, je n'interagis pas. Non, sûr, on peut pas récupérer les herbes. Et de l'eau et rien de tout ça. Fais chier. Non mais Jack, s'il branle, le chef là, il est parti faire quoi avec son aubergine? Bah, va savoir. Il y a un truc qu'on n'a pas débloqué. Non, c'est pas par là qu'il faut aller. Ah, désolé, je me suis trompé. Et là, on va où du coup? Ah oui, voilà. Le travail, c'est surfait, Laurent de la Housse Bar. En tout cas, ça paye mes pizzas. Voilà. Ouais, c'est vrai, il y a vraiment que les cons qui travaillent. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Elle, il n'empêche. On leur a rien filé à elle. Hein. Bah, attends, on le pas. Et si on leur filait un couteau ou un truc comme elle ça? Elle veut un mec bien membré. Un couteau. On a essayé le couteau, elle s'en fout. Ah bah la burette, ça peut pas faire effet. Cette idée n'a pas grand sens, la paroi de verre est tellement dense, ok. Parce que ça résonne beaucoup, quand sur ce tuyau on tape un coup. Voilà une magnifique couteau. Aiguisé. On a pas essayé le couteau sur les machins, les légumes. Combien de ces blocs de sel immense. J'ai pas besoin de sel. Et parce que là, les vieilles, mine de rien, on leur a rien filé. On a non, fait. Non, elles n'en veulent pas. Alors, elle dessus, elles se marrent, c'est tout. Et bah non, mais essaye de leur filer une graine. Un couteau. On a essayé le couteau, elles s'en foutent. Ouais. La burette. Ouais, la burette, clairement, c'est pour nous la burette. Ouais. Voilà. Et la graine, on a essayé aussi, hein. Sauf s'il y a quelqu'un membré comme un cheval, mais attends, on va pas leur apporter un homme ou un truc comme ça, je sais pas. Non, alors, les pizzas, c'est pour le faible, d'où le céleri rémoulade. Il faudra m'expliquer le concept du céleri rémoulade. C'est dégueulasse. C'est vraiment pas bon. Bah, moi, j'aime bien, moi. Ah, c'est bien fait. Bah, si, c'est juste un gros truc crémeux, genre mayonnaise. Oh. Miam, miam, miam. Mégalite. Bah, le céleri rémoulade. Oh, Mégalite. Je crois pas que ce soit plus light que la salade de maïs, c'est pas bon, ok, hein. Pourquoi on est tout le temps dans cette foutue cuisine? Parce qu'on a faim. Enfin, moi j'ai faim en tout cas. Mais je vais pas mettre ça dans le plat, je veux couper le. Comment on fait? Bon, oh. je me sens un peu bloqué, hein. Je vous cache pas que là. Et ouais, moi aussi. Je pense que. Peut-être que ça va faire une pause nous permettra de réfléchir un peu plus posément, hein. Parce que là, on a fait le tour. Là on est mauvais hein, pourtant on a plein bah, de trucs. Bah attends, on est mauvais. La graine on en fait quoi? Le couteau on en fait quoi? Je sais pas, est-ce qu'avec le couteau on fait pas un trou dans la terre pour planter la graine dehors? C'est
Il faut juste les faire. Ah, toi, tu nous parles toujours du céleri rémoulade. Sans trop de mayonnaise. LP, espèce de gros. Gras, gras, que je suis gras. Bon. Steven se fait un régime. Bon, bah, du coup, je sais pas. Je sais pas. Si j'ai pas d'idée lumineuse, je pense que je vais vous proposer d'interrompre la partie ici. Bah, j'ai envie de dire que peut-être qu'on peut, on peut laisser poser ça et. Et on se revoit jeudi bientôt. J'aime bien que tu me fasses un Tupperware de Laurent de Laurent de la Housse. C'est des rigolades. Un Tupperware de Laurent de la Housse. Oh ouais. Mais voilà. Je vois le Photoshop d'ici. Tu vois le boîtier. Ah, c'est ce cheveu, il pop avec ses cheveux comme ça. Alors. Bon, écoutez les enfants. Voilà, je merci crois de que... nous avoir suivis. Merci. Moi, je suis très aidé. Frustrée de pas. C'est clair. Bon, c'était bien marrant en tout cas. On pouvait pas couper un lampion avec le avec le couteau. Moi, j'ai quoi? Couper la guirlande avec le couteau, je sais pas pourquoi faire, mais quelle guirlande? La guirlande qu'il y a là-bas, la guirlande de vieille connasse. On essaie pour voir? Bah ouais. Je sais pas, ça peut pas nous servir pour faire un petit panier. On a essayé de filer un couteau. Mais ça, les jonchées de décoration. Ton inventaire nous est bien égal. C'est sûr, elle est bien tensante, j'ai pas tout ce que je trouve pour autant. Bon, ah bah, putain, mais si, tu nous emmerdes, hein. Alors là, sur ce, je suis désolé, je suis en désaccord. Quand tu as un couteau, tout ressemble à des trucs à planter. Donc voilà, je pense que on va pouvoir sauvegarder la partie. Hein? Film de sauvegarde. Voilà, ça a marché ou pas? Ça a marché, vous voyez, 10h30 PM, c'est maintenant. Voilà, et ben. Et ben merci! Ah bah merci, hein! Merci! C'était trop bien! Milkmaid of the Milky Way. Voilà, un jeu tout à fait mignon, très poétique. Oui. Et qu'on finira. Voilà, qu'on finira. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette expérience? C'est moins. Il y a moins de place à l'improvisation peut-être qu'avant. Niveau dialogue, hein, c'est peut-être un peu plus léger. Après, est-ce que ça vous va mieux? Ce genre de jeu, je veux dire. C'est à vous, que à vous deux. À vous deux. D'accord. Je peux fumer un. Cacolac. Mais non, mais de toute façon, tu peux répondre à ma question, je peux couper le stream aussi, tu vois. Non, mais juste qu'on continue de discuter ici. Moi, j'ai adoré. Fais ta patience. J'ai adoré. Ah oui, pardon. J'ai adoré le visuel et même je trouve que c'était plus sympa que les jeux à choix multiples vraiment qu'on avait fait parce que t'as plus de possibilités de. Je trouve qu'il y a une réflexion qui est plus construite. Il y a plus de puzzles, c'est clair. Mais par contre, niveau narratif, on a moins d'embranchements. Ouais, mais du coup, c'était quand même assez cool parce qu'il y avait pas mal de personnages. On a pu faire des voix. Attends, et Laurent Donalus nous dit quand même merci, dites, c'était cool quoi. Mais merci à toi, Laurent. C'était grave merci cool. Merci à toi. Premier stream, Laurent Donalus, qui je crois n'est pas très habitué de Twitch et ce genre de trucs. Donc ça fait plaisir de te voir t'y mettre hein, parce que c'est vrai que les jeux vidéo, tout ça. Voilà. Merci, pas de pizza. C'est cool. La synchro labiale. Oui, bon, bah écoute, la synchro labiale. Tout à l'heure, il nous plaisantait, il disait faites la synchro labiale au pixel près. C'est pas possible. T'as vu, celle-là, je l'ai compris. T'as vu ou pas? La synchro labiale ou pas? Bah, c'est comme quand tu regardes un truc en sous-titré et qu'il y a un décalage. C'est ça, oui, c'est ça, exactement. C'était une plaisanterie, voilà. C'était la boutade. Bon, bah si ça vous a plu, tant mieux, nous aussi. Bah écoute, c'est super hein. Sauf que la prochaine fois, il y aura une pizza, pas de pizza. Oh mon dieu. Grave. On parle pas maintenant. En tout cas, merci, vous êtes un public incroyable. Bah merci effectivement, merci aux pandas et aux pandas. Merci à vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir regardé pour ce petit stream et on se retrouve très bientôt. Vous pouvez me suivre moi, vous pouvez suivre également toute la clique les feeds avec Tu connais, les Prodigy, Fougères The Pilot et tous les gens qui de l'équipe qui continuent à faire des émissions pour vous. Voilà, et plutôt que de nous payer des pizzas, vous savez quoi, si vous voulez faire un petit geste, venez sur notre Tipeee. Hein, comme ça, je sais même plus à combien on est sur le Tipeee. On pourra peut-être se payer, genre, je sais pas moi, une webcam, par exemple. Hein, si vous voulez, moi je finance webcam avec le Tipeee, puis comme ça, vous pourrez peut-être voir notre tronche. Hein. Peut-être, si vous êtes sympa. Voilà. Eh ben, en tout cas, passez une excellente soirée. Et oui, on vous roule une grosse pelle. À bientôt. Voilà, merci surtout Ornella et Chad d'être venus participer à nouveau pour cette émission. On se retrouve très bientôt sur ce jeu-là ou un autre sur Factor News. A plus. Salut!